Et bonjour à toutes et à tous les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live qui n'était pas du tout prévu. Voilà, attendez, je coupe le... Hop, je coupe le retour. J'avais pas coupé le retour. Donc oui, on se retrouve pour un petit live de début de semaine qui n'était pas du tout prévu. Vu que je vous avais dit que je ferais peut-être un live dimanche soir en rentrant de mon week-end de la visite de mon fils sur Skull and Bones. Bon, finalement, j'étais trop fatigué, je suis rentré trop tard. Je l'ai pas fait. Par contre, en rentrant hier soir, je me suis aperçu que les devs de Five Farm m'avaient envoyé une clé et que j'avais le droit surtout de vous le stream ou de faire des vidéos. Dès que j'avais eu la clé, vu que ça fait une semaine en fait qu'on peut faire des choses sur le jeu.
Donc je me suis dit, bah pourquoi pas se faire un petit live. Alors du coup, c'est en milieu d'après-midi parce que bah tout simplement ce soir je ne suis pas là. Donc il n'y avait pas trop le choix. Alors j'espère que le retour son est bon, parce que d'habitude c'est Chris qui me le fait, mais comme il n'est pas encore arrivé, vous allez me dire ça, mais normalement oui. Hein. Et puis on va faire les petits coucous. C'est déjà 20 sur le live, donc ça c'est cool. Hein. Alors on va faire les petits coucous, c'est Lyriel qui a ouvert le bal. Coucou à toi Lyriel, j'espère que tu vas bien, suivi de Marine. Marine, je sais qu'elle attend énormément ce jeu. Voilà, vivement le 8, hein, donc ça va être cool. Oui, le son est bon, impeccable. Coucou à Sophie, j'espère que tu vas bien aussi. Bonjour Shinaru, Athéna, très sympa comme pseudo. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Naomi. Je regardais tes vidéos de Stranded Deep à l'instant, Sophie. Bah c'est cool ça. Alors Stranded Deep, c'est un jeu de survie que j'ai pas trop apprécié. J'ai pas fait grand chose dessus sur la chaîne. Mais bon, voilà, après, les goûts, les couleurs, hein, c'est comme ça. Et coucou Mélanie, du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Nickel le son. Impeccable. Bonjour aux viewers de l'ombre, du coup. Ceux qui ne se sont pas manifestés, mais qui sont là pour soutenir le live, c'est important. Alors, du coup, ce Five Farm, un nouveau Farm Sim, comme l'a dit Marine, qui sort le 8 sur PC, sur Switch, je crois. Alors, je sais pas si la sortie Switch, c'est en même temps, mais il me semble que oui. Un jeu solo ou multijoueur, qui est dans l'univers des failles. L'univers des failles, enfin je dis l'univers mais je sais pas trop, je sais pas combien il y a eu de jeux, mais il y avait eu un jeu de cartes dans cet univers-là, et là ils sont sur un farm sim qui a l'air très prometteur. Coucou Lucie, bienvenue à toi. Je pense que ce jeu va te plaire. Bah oui, ça va me plaire. Bah, normalement les farm sim hein, c'est un peu mon dada, hein, donc il y a trois grandes familles de jeux que j'aime bien. C'est en tout premier, c'est les RPG. Mais comme ça marche pas des masses sur la chaîne, bah j'en présente pas souvent. Et après, les jeux de survie, les farm sim, à égalité, je pense. Avec en ce moment, on a quand même des très bons farm sim qui sortent, un peu coup sur coup. Alors que c'est vrai, du côté des jeux de survie, il n'y a pas eu grand-chose de très intéressant depuis un petit moment. Et coucou Fran Fran, bienvenue à toi. Et donc, bah, on va découvrir ça ensemble. Alors, c'est le premier live d'un let's play que je ferai soit en live, soit en vidéo, soit les deux. En tout cas, on démarre en live. Vous aurez pour le planning de cette semaine, j'ai pas mis le planning une fois de plus parce que bah, j'ai qu'une seule vidéo de tournée pour l'instant pour la semaine. C'est celle de demain après-midi que du coup j'ai mis pour demain matin. J'ai inversé. Mytha Sandrock, que vous avez normalement lundi, vous l'aurez normalement demain après-midi. Voilà, s'il n'y a pas de bouleversement. Et ce vendredi, vous aurez un live sur Starfield. Donc je peux vous l'annoncer. J'ai pris tout simplement le jeu sur le Game Pass et j'ai rajouté les 30 et quelques euros pour avoir l'édition premium, pour pouvoir le faire le jour de sa sortie en accès anticipé. Donc le 1er septembre, donc ce sera vendredi, ce sera pareil, ce sera à 15h-18h. Et ce week-end, vous aurez soit samedi après-midi, soit dimanche après-midi, soit peut-être les deux d'ailleurs. Vous aurez un live sur Palia, ça c'est sûr, et peut-être un second sur Five Farm ou sur Starfield. Ça dépendra ce qui va marcher le mieux et ce qui va plus me plaire aussi. Oui, sur Switch et PC le 8, et on peut jouer sur les deux plateformes en multi. Bon, ça c'est cool, ils ont fait du cross-platform donc. Merci, et Athéna est mon prénom. J'ai commencé à regarder quelques vidéos surtout. Ceux de Mytha Mat Sandrock. Bah, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Donc je t'appelle Athéna du coup. Et comme je crois pas t'avoir vu souvent ou sur le live, bah, je te souhaite la bienvenue. Enfin, en tout cas sur les lives, dans les commentaires, ça me parle pas trop non plus. Donc on va démarrer tranquillou. On est là jusqu'à 18h donc, hein, je vous ai dit. Je vous ai donné le planning. J'ai pas d'autres infos à vous faire passer. Donc on va démarrer tranquillement. Alors c'est vrai que pour le début d'après-midi, il va pas y avoir forcément beaucoup de monde. Enfin. On commence à être en milieu d'après-midi, hein, mais bon, ça va le faire, hein, tranquillou. Et coucou Natala, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Donc, vous venez d'arriver ici, donner un nom à ce monde. Ok. On va l'appeler bah, le monde des loulous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça me paraît bien, hein. Avec un S, parce que vous êtes plusieurs. Et donc, c'est parti. Alors, bien sûr, je vais jouer en solo, hein. Je peux pas toujours embêter Mira pour faire tout le temps, dès qu'il y a de la coop, de la coop. Hein. Oui et non, la première fois sur le live, et c'est rare que je commente les vidéos que je regarde. Eh ben c'est cool, bienvenue à toi. Et salut Merguez. Merguez, il commente les vidéos depuis quelques jours aussi. Donc peut-être un nouvel arrivant. Mais bienvenue à toi. J'ai vu ça ce week-end, parce que j'ai essayé de répondre à vos commentaires ce week-end, malgré que j'étais avec mon fils. Je veux pas me spoiler le jeu avant la sortie, donc je te souhaite un bon jeu, Soma, et bon après-midi à tous. Merci Marine d'être passée. Et puis bah
Encore une grosse grosse semaine à attendre pour pouvoir y jouer aussi pour toi. Et donc passe une bonne après-midi. Alors, notre petit perso, on va faire un truc vite fait, hein. Ok. Type de corps. Alors là, il n'y a que des persos féminins, j'ai l'impression. Je sais pas si on peut changer, en fait. On incarne peut-être une jeune femme. Hein. Teinte de peau, ça ira très bien. Des petits yeux. Non. Ça, c'est pas mal. Non. Non. Non plus. On va prendre cela. Hein. La bouche. Oula, alors les bouches. Au secours. Alors on va garder la basique. Hein. Les cheveux. Alors apparemment, non, il y a des. C'est une coupe de garçon ou de fille, ça, c'est bizarre. On va partir sur un perso féminin, hein, tant qu'à faire. La voix est féminine, de toute façon. Bon, la voix, on peut la changer là, mais. C'est pas évident. Hein. Donc il y a des voix de mec. Par contre, au niveau de la silhouette, alors soit je loupe un truc. Au niveau du sexe. Ah! Pronom il. Mais c'est vrai que du coup, parce que tant qu'à faire, je vais faire un homme, hein, vu que je vais certainement m'appeler Soma hein, sur le jeu. Oui, je suis nouveau. C'est bien ce qui me semblait. Bonjour, bonjour Soma et tout le monde. Bonjour Natou, bienvenue à toi. Du coup, on dirait qu'en fait, quel que soit le corps, on dirait qu'il y a une légère poitrine à chaque fois. C'est assez bizarre. C'est vrai qu'il y a des coupes de mecs, hein. Je pense qu'on va partir sur une fille, en fait, hein. Donc du coup, je garde ça. On va changer la coupe de cheveux parce que du coup, elle est pas très jolie, je trouve. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien aussi. Alors, il y a plusieurs pages, hein. Qu'est-ce qui m'attire l'œil? Non. Je vais rester sur ça pour l'instant. Ouais, on va rester sur ça. Donc du coup, bah forcément pas de pilosité. Détail du visage. Je pense qu'on va rien mettre. Par contre, les yeux. Ah, c'est les sourcils. Ah mince. Essayer de mettre le même marron que nos cheveux. Ça va pas être évident. Hein. Regardez ça. Mais du coup, on peut pas faire la teinte des yeux. J'avais pas vu. J'ai envie de lui mettre du vert. Voilà, genre comme ça. La bouche, c'est bon. La peau, on a dit, j'y touchais pas. Visage non plus. On a choisi elle. La voix. On va prendre la première. Maintenir, pardon. Toute façon, mon pseudo, il est mis d'office. Alors, bon, un beau jour, en marchant sur la plage et en regardant le sable, un message dans une bouteille m'invita dans un pays lointain. L'auteur avait décrit une île dont le besoin, unique en son genre, domicile d'un peuple courageux, s'était écrit avec bienveillance. Suivant mon cœur et le vent, je partis à l'aventure. Le voyage était périlleux et mon bateau a sombré. Je me suis accroché aux débris, mes voiles déchirées. Soudainement, les eaux se sont calmées et je les ai vues. Et je l'ai vue, pardon. Pourquoi les ai vues? Et bienvenue à Azoria. Nice! Alors déjà, graphiquement, c'est assez simpliste, mais c'est très mignon. Niveau des personnages aussi, hein, c'est tout kawaii, on va dire. Donc parler. Donc Merit, la mère responsable d'Azoria. Salut. On me dirait si le son du jeu est bon par rapport à ma voix aussi. Alors une quête incroyable. Regardez ce que la marée a apporté. Tout va bien. Tu t'appelles Soma et tu as trouvé un message dans une bouteille. Alors Soma pour une demoiselle, hein, c'est un peu bizarre, mais bon. Excellente nouvelle, c'est moi qui l'ai jeté dans l'océan. Je n'en reviens pas que ça ait fonctionné. Je suis la mère Mérite.
Je dis mérite, mais je sais pas si on dit comme ça. Hein. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Ah, la maison, oui, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi qui a essayé d'atteindre notre île. Et bonjour Christine, bienvenue à toi. Comment vas-tu? C'est un lieu magique rempli de bons amis, mais nous sommes encerclés par les tourbillons. Et un blizzard souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et un volcan actif menace d'entrer en éruption. Ah bah ils sont gâtés. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs, mais nous avons réussi à les parquer dans la mine, et je ne parle même pas de l'ombre et des ronces. Oui, Azoria est un véritable paradis. Non, on ne part pas, en fait, c'est impossible à cause des tourbillons, mais j'ai une proposition. Je vais faire parvenir un paquet de bienvenue à ton domicile. Et voilà, une belle carte qui indique où trouver les gens et les objets. C'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison. Donc, ne montez pas une charmante, ferme ta tente, blablabla. Entrez dans ta nouvelle maison et découvrez-la et ouvre ton paquet de bienvenue. Je t'assure, tu vas adorer ta vie ici. Donc on a une carte du monde, ok. Alors comme vous pouvez le voir, bien sûr, hein, tout le jeu est en français, ça c'est plutôt cool. Normalement, j'ai pas changé, j'ai pas remanié les touches, donc on devrait directement pouvoir jouer en Azerty. Donc M. Voilà, c'est exactement ça, je suis en Azerty. Donc là, c'est la ferme. Ok, on aura le centre-ville. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Et je peux mettre un suivi. Ok. Et il faut que je passe en QWERTY. Effectivement, ça ne marche pas sinon. Ok, dommage. Tu vas bien, Christine? Bah, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc, ici, je sais pas pourquoi on a ça. C'est le suivi de ma quête, ok. Enfin, le suivi de l'endroit où je dois aller. Le suivi de quête ici, nos PV là. On a quelques raccourcis clavier ici. Donc, la map. Et ici, on a accès au menu. Donc, les quêtes, le calendrier, l'almanach, localisateur de donjon. À nouveau, la map, les paramètres. À l'aide, je suis coincé. Ok. Alors, les quêtes. Ok. Bon, classique, hein. Rien de spécial. Le calendrier. Donc, ça marche par saison. Normal. On a 28 jours, 4 semaines par saison. Logique. Et donc, un an fait 4, les 4 saisons du jeu. Et donc, ici, par exemple, on a, à première vue, un anniversaire. Et là aussi. Mais on ne sait pas de qui. Ah, si. L'anniversaire de Eddie et l'anniversaire de Frida. Il ne faut pas cliquer sur les cases, il faut cliquer sur les pastilles. Et on peut... Non, je peux pas. L'almanach. Avantage de compétences. Waouh. Pourcentage de chance de doubler la puissance en creusant. 20% de chance de gagner de l'énergie en creusant. Ok, bon, on verra ça au fur et à mesure, hein, j'imagine. J'ai enlevé tous les petits points d'exclamation, j'aime pas ça en fait. On a le localisateur de donjon, mais pour l'instant, on n'a rien découvert. Très bien. La map, on l'a vu. Termine le chapitre 1 pour jouer en multijoueur. Très bien. Bon, on va aller chez nous, on va suivre la quête. Alors, est-ce qu'on parle de suite aux gens? Pourquoi pas? Alors, Sky, qui vend des objets pratiques dans son bazar. À l'arrivée du printemps, j'ai l'impression que les muses décorent le monde de leurs fleurs. Discussion. Pour la boutique. Pour l'instant, j'ai pas de thunes. Hein. On a... pas l'info. Est-ce qu'on a un inventaire? J'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait d'inventaire. Vendre des chapeaux et des accessoires pour embellir les Azoriens. Ok. Un libraire aime la fiction et les mystères. Ils ont tous une boutique, hein. Lui, en fait, il vend de la déco d'intérieur, notamment tout ce qui est papier peint, tout ça. Une libraire aime les livres tirés de faits réels et les biographies. Donc, elle, c'est un peu la même chose. Ah.
Alors, tu as parlé à le travailleur pour gérer la ville au mieux. Service de charpenterie. Merci de choisir l'un de mes services de charpenterie. Donc avec lui, on pourra améliorer notre maison. Ok. Ça marche. Toi, vends des graines de légumes à planter dans votre ferme. Donc, nickel. Elle vend aussi des papiers peints. Surtout des graines. Très bien. Et enfin, toi, des arbrisseaux. Ok. Bon, c'est pas mal. On a déjà vu quelques PNJ. Merci, Nomi. Alors, on peut pas zoomer, dézoomer, pour info. On peut pas tourner la caméra non plus. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'outils. Donc, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Là, je pense qu'on est arrivé chez nous. Bienvenue dans ton nouveau foyer. Tu as un inventaire maintenant. Tu peux appuyer sur I pour ouvrir ton sac à dos et consulter et utiliser les objets que tu as ramassés. Ok, nickel. Retournez voir mérite. Ok, nickel. Donc, on a les outils. Alors, je ne sais pas si on les a vraiment, mais on a 3, 6, 8, 16 slots d'inventaire. Et là, on peut modifier des tenues. Ok. On peut bien sûr dormir ici. J'ai vu qu'on avait du courrier. Bienvenue à Azoria. Ok, on a un petit feu de camp. Recette découverte, miroir personnalisé. Oula, ok. Effectivement, il y a des ronces. Salut! Ta présence fait du bien à Azoria. Complétez la quête. Aménager. Alors, tes premières impressions sur ta nouvelle maison. Le paquet de bienvenue était vraiment chouette, hein? Je savais que ça te plairait. Azoria est l'endroit idéal tant qu'on tolère les ronces magiques et les phénomènes climatiques douteux. Que dirais-tu de donner un nom à ta maison pour la personnaliser? On va l'appeler... vu que j'ai appelé le monde Loulou, je vais appeler la ferme Fenrir. Ne me dis rien, ce surnom doit rester entre toi et ta ferme. Car oui, ta maison dispose d'une ferme. La voilà. Bon, c'est vrai, elle a connu des jours meilleurs et il faudra un peu d'huile de coude pour la retaper. Mais à côté du tourbillon auquel tu as survécu, ce sera un jeu d'enfant. Et grâce à mon ensemble d'outils flambant neufs, je suis certaine que tu remettras de l'ordre en un rien de temps. Donc là, il nous file les outils. Tu as un ensemble d'outils de départ avec le clic... Ok. Assure-toi simplement de surveiller ton énergie. Donc on a l'énergie qui s'est rajoutée. Avec ces outils de débutant, tu devrais réaliser toutes sortes de tâches. Et tu pourras les améliorer par la suite à la forge de Cinder, au port, pour les boulots un peu plus difficiles. Essaie d'enlever les rochers, les troncs, les herbes sauvages et de récolter de la roquette autour de ta maison. N'hésite pas à conserver les matériaux que tu auras obtenus. Donc 10, 10, 5, 5. Ok, c'est parti. Donc on n'a pas de raccourci... Claquette, ok. Outils et fabrication. Donc on a débloqué tout ça. Et construction. On a débloqué ceci. Alors c'est juste la recette. Hein. Donc si j'ai bien compris, il faut venir ici pour sélectionner un outil. Non. Comment on change d'outil? Ah ah. Inventaire. Alors peut-être que ça se sélectionne automatiquement suivant ce qu'on veut faire. C'est ça. Ok. Et on gagne de l'XP. Ok, donc tronc de hêtre, c'est fait. La roquette. La roquette, c'est ça.
Ok, bon, pour l'instant, il n'y a rien de spécial, hein. Donc la roquette, on est bon. La stamina descend pas trop vite, ça va. Ouais, merci pour le rappel des pouces. Et donc là, on fait nos fibres. Cueillette niveau 2. Ah ah. Alors, attendez. Les compétences. Est-ce qu'on a accès aux compétences pour l'instant? J'ai pas l'impression, hein. Ici, on n'a pas débloqué. On n'a pas débloqué ça non plus. Donc, inventaire. Ah, je me suis trompé. C'est pas évident parce que échappe, ça marche pas pour sortir des menus. Faut faire clic droit, en fait. Clic gauche, on valide. Clic droit, on revient en arrière. C'est pas simple, simple. Et j'ai débloqué la recette du feu de camp. Boisson, nourriture, on a débloqué. Fruits de mer grillés, les... Ok. Et en construction, le pouf tressé. Et le sac de couchage. Ok. Bienvenue aux arrivants, hein. Je crois qu'on est passé à 30 viewers, hein, donc... Bienvenue à vous, les viewers de l'ombre. J'essaye de jamais vous oublier, c'est quand même important. Donc salut, c'est un bonheur de te compter parmi nous. Alors, je sais pas ce que ça rapporte de finir des quêtes, parce qu'on n'a rien qui s'affiche. Il n'y a pas l'air d'avoir de l'argent, d'objets, d'XP. Bien joué, maintenant que tu as libéré de l'espace, je vais te montrer comment en tirer profit. Si tu veux fabriquer quelque chose, tu dois t'en charger toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver les matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas de quels matériaux tu as besoin, consulte l'almanach. Je t'ai déjà parlé de l'almanach, n'est-ce pas? C'est une espèce de guide d'Azoria que tu dois remplir toi-même, trop rigolo. Commence par construire un meuble confortable à l'intérieur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc fabrique un pouf tressé et place-le dans la maison. Ok, c'est parti. Donc du coup, j'imagine qu'il faut faire ça. Oui, bon, la quête, ok. Donc, Almana, c'était... pas là. Construction, pouf tressé. Comment je le craft, en fait? Il doit y avoir un menu quelque part. Ah, ok. Les compétences, elles sont ici. Donc, on est passé niveau 2 en cueillette. Ça permet de quoi? Ok, ça donne des bonus. Par exemple, en minant, si on, quand on passera niveau 2, on aura plus 1 de puissance. Là, du coup, j'ai la chance d'avoir une cueillette supplémentaire gratos, on va dire. Ok, et au niveau des outils, c'est là qu'on va pouvoir améliorer nos outils. Ça, c'est cool. Calendrier, almanach, localisateur, carte, inventaire. Hey, coucou Céline, comment vas-tu? Bienvenue à toi. J'espère que tu es en forme et que toute la famille va bien. Ah, c'est menu de construction. Eh ben voilà. Décoration. Catalogue. On va le mettre... un pouf. Ouais, on va le mettre là. Ok. Salut. Ta présence fait du... Oui, alors tu me l'as déjà dit. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, Soma. Tu m'impressionnes. De manière générale, les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur. Laisse libre cours à ton imagination. Oh, et on t'a déjà construit une boîte aux lettres. Miles, le postier... passera très tôt le matin te livrer lettres et colis, donc n'oublie pas de la consulter. Oh, je sais ce que tu pourrais construire maintenant, un feu de cuisson. Un feu de cuisson dans ta ferme est le moyen le plus simple pour préparer des plats cuisinés. Tu pourras toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Tu pourras cuisiner toutes sortes de plats avec ton feu de cuisson.
J'ai cru voir de la roquette pas loin d'ici, tu trouveras aussi des moules sur la plage. Essaie de construire un feu de cuisson et de l'utiliser pour cuisiner. Donc fabrique un feu de cuisson et place-le dans la zone que tu as dégagée, ok? Cuisine un plat avec le feu. C'est parti. Le jeu est très beau. Ouais, c'est très mignon, Sophie. Tout à fait. Donc on va dégager cette partie-là. Donc je pense qu'on va faire... en face de ça, là, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. On va faire les cultures. Et ici, on va commencer à mettre les tables de craft. Donc, du coup, on débarrasse un peu le foutoir, là. On va faire un peu de ménage. Cette hache n'est pas assez puissante. Ok. Alors, on peut maintenir le clic souris appuyé. Le jeu est jouable à la manette. D'ailleurs, hein, petite précision au passage. Pour ceux qui préfèrent la manette. Alors, en même temps, vu qu'il sort sur Switch, hein, il vaut mieux que ce soit jouable à la manette. Hein. Il me reste de la stam. Et du coup, toi, tu vas carrément nous gêner, là. Bûcheronnage niveau 2. Parfait. Donc, on veut faire ceci. Qu'on va mettre ici. C'est parti. Et bonjour Joël, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Alors la famille va bien, je te remercie. Moi, bof bof, je reviens du dog bronchite asthmatiforme. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, remets-toi bien du coup, repose-toi bien. Bah profite du live et posez tranquille. Oui, posez tranquille, oui. Donc on gagne de l'XP en récupérant l'item qu'on craft et pas au moment du craft. Donc on doit y avoir une compétence de cuisine. Ça va Joël, merci, ça va très bien. Petit live improvisé que j'ai décidé hier soir en rentrant de mon week-end avec mon fils où dans mes mails j'avais la joie et l'honneur d'avoir reçu une clé de la part des devs du jeu. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc on va parler... Amérite, salut. Oui, je sais déjà. Montre-moi ce que tu as cuisiné, Soma. Bravo, tu vois, avec un feu de cuisson, tu peux cuisiner au fil de tes envies. Comme je le dis toujours, rien ne vaut un bon repas maison. Les plats cuits procurent davantage d'énergie que les aliments crus. De plus, ils se vendent plus cher au marché. Essaie d'utiliser différents ingrédients crus pour voir comment les transformer en plats délicieux. Fais des expériences et libère ta créativité. Je sais ce que tu te dis, Soma, quand Mérite va-t-elle enfin me parler d'agriculture? Eh bien, tout de suite. Salissons-nous les mains et amusons-nous avec quelques graines et des plates-bandes. Tu sais, je crois que j'ai justement laissé des graines et des matériaux de construction dans ta réserve. Ah oui, au fait, tu as une réserve. Va chercher tes matériaux dans ta réserve, puis prépare des plates-bandes pour ta ferme et plante une graine dans chacune d'entre elles. Donc, graines de navet. 3 plates-bandes. Ok. Tu auras bientôt des produits frais d'Azoria. Ta ferme sera alors autosuffisante. Tu me remercieras plus tard. On a eu un petit freeze, là. Oui, on va tout transférer. On peut pas... Genre avec un shift... C'est quoi cette touche, là? Transférer la pile. Je vois pas ce que c'est cette touche là. Très bizarre. Ok. Donc du coup, si je ferme mes cultures ici, ben faut que je fasse de la place à nouveau. Toi, je vais pas pouvoir te couper à mon avis. Huh?
Inventaire, on va manger ça. Non, je me suis trompé. Ok, c'est bon, j'ai pu la récupérer. Ça va pas être très visible, hein, nos premières cultures. Je vais peut-être les faire ici finalement, hein. Parce que là, le temps que je déblaye tout ça, on n'est pas arrivé, hein. Donc. Si je veux faire mes plates-bandes, fabrique et place. Ah, il faut les fabriquer. D'accord, ça coûte un limon, un sable et un tronc. Ok, c'est des petits carrés comme ça. On va éviter de. On a une espèce de semblant de chemin là. On va éviter de mettre dessus. Ok. On prend les navets. Parfait. Et j'ai pas besoin de les arroser pour le moment. Alors, peut-être un transfert rapide vers les coffres, je sais pas, mais c'est le symbole du crochet. Et faut que je regarde dans les options en fait. Je crois qu'on peut rebanner les touches. Superbe Soma, tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes récoltes. Mais n'oublie pas d'arroser les graines. Sans eau, rien ne poussera. Par contre, inutile d'arroser les jours de pluie. J'espère que tu t'occupes bien de tes cultures. Et comme disent les fermiers, je sème donc je suis. Haha, qu'est-ce qu'on se marre? Tu as déjà bien développé ta ferme. Je parais que tu ne penses même pas plus à ton terrible voyage pour arriver jusqu'ici. Oh, tu devrais aller voir tes voisins. Ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Je te conseille d'aller voir Eddie le marin. Tu devrais pouvoir le trouver chez lui dans la baie du séjour paisible. Il aura sûrement un ou deux conseils sur la pêche. Allez. Alors je vais finir par contre de planter mes graines. Et du coup, on va faire ça. Et donc arrosage. Ok, parfait. Je vous laisse Soma et les loulous, je regarderai la rediff. Bis, merci d'être passé Céline. Des bisous à toi et à toute ta famille. Prenez bien soin de vous surtout. Et coucou Patrice, comment vas-tu? J'espère que tu es en forme. Alors, là-dessus, on a la quête. C'est à peu près tout. Au niveau des compétences. Bon, ça. Donc, il y a bien une compétence cuisine. Alors, on a quoi, effectivement? Le minage, l'agriculture, la cueillette, soin des animaux, fabrication de potions, la magie, la cuisine, capture de bestioles, la pêche et le bûcheronnage. C'est plutôt complet, hein? Il y a 10 compétences qu'on peut monter jusqu'au niveau 20. Ah ouais! Eh ben on en a pour un moment quoi. Donc, avant d'aller voir Eddy le marin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je voulais faire? Je ne pense pas. Donc il est là. Donc c'est parti. Centre-ville. Alors vous voyez que là il y a des. Pour l'instant, je peux pas capturer les bestioles. Quoi, il y aura de la capture d'insectes. Alors, est-ce qu'il fallait que je passe par là? J'en suis pas convaincu, quoique. Oh là, il y aura quelque chose à faire. Waouh. Ça me pompe de l'énergie de ramasser des trucs comme ça a pas l'air. Par contre, on gagne de l'XP. Donc on va ramasser tout ça. Au pire, on le revendra.
Donc apparemment, on n'a pas de coffre de revente. Faut revendre au PNJ en ville. Si j'ai bien compris. Alors là, il y a une recette. Vase poulpe. Donc il y a des recettes à trouver à droite à gauche. Il y en a encore une ici. Tapis tissé bleu marine. La cuisine, c'est pour moi. Ah oui, c'est clair. Et ça va bien, Patrice, merci. Ça va très bien. J'ai passé un super week-end avec mon fils, donc ça peut que bien aller. Alors, Eddie, un loup de mer et un bon pêcheur. Ohé, une fois, j'ai jeté mon filet au large des côtes de Crovani et l'espace d'une seconde, j'ai vu la silhouette d'un énorme poisson passer sous mon bateau. C'est un plaisir de te voir, Soma. Si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddie, le vieux loup de mer d'Azoria. Il paraît que tu t'occupes d'une petite ferme, je ne t'en veux pas pour autant, même si fermier et pêcheur ont toujours été en désaccord. Oublie ça, on n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas pêché. Crois-moi, entre les arbres et la mer, ce sera toujours la mer pour moi. Et si le vieil Eddie te donnait un petit cours rapide sur l'art de la canne à pêche? Voilà, on peut y aller quand tu veux, Sora. Bien, alors vas-y et pêche un poisson d'eau douce et ou d'eau de mer, peu importe. Je vais même te passer ma vieille canne à pêche, j'espère qu'elle te sera utile. Donc, appuie sur QE pour changer l'équipement. Ah, ok. Une fois ta canne à pêche en main, lance la ligne de manière à ce que le flotteur arrive près de la gueule d'un poisson. Ah, il faut viser un poisson. Ensuite, mouline lentement, petit à petit, pas trop vite. Ce mouvement hypnotise le poisson, c'est qu'il le pousse à mordre. Et après, tu moulines. Mais pas d'un seul coup. Si la ligne devient rouge, c'est qu'elle est sur le point de casser. Dans ce cas, arrête de mouliner le temps qu'elle redevienne blanche. Continue sur ta lancée et avec un peu de chance, tu remonteras une belle prise. Va pêcher un poisson et raconte-moi comment ça s'est passé. Il est très mignon, hâte de pouvoir l'avoir. Précommande sur Switch. Cool, Athéna. Bah, je pense que tu vas bien t'amuser. Hein. Et bonjour, Icaron, comment vas-tu? Alors, du coup. Ah. Vas-y, viens mordre. Ouais, il a pas l'air décidé, hein. Je peux pas aller plus loin. Oula. Waouh. J'ai eu un saumon. Alors, il faut savoir que dans les options du jeu... Ça va très bien, Icaron, merci. Ça va, ça va. Il faut savoir que dans les options du jeu, il y a un mode de pêche facile que j'ai pas activé. Mais qu'on peut... Voilà. Pêche simple. Donc, je sais pas en quoi ça consiste. On peut faire le test, d'ailleurs, pour voir la différence. Il me faudrait juste un autre poisson. Genre, toi. Ah, alors je vois pas de différence, hein, un mode pêche facile. Ici, il n'en a rien à faire, le poisson. Alors, en mode pêche facile, je comprends pas, parce que quand je relâche, ça continue à tirer. Donc, à mon avis, je vais remettre comme c'était. Hein. Mode pêche facile, pêche simple, active un mode de pêche plus simple, qui ne demande pas au joueur de maintenir les des boutons appuyés. Ah, d'accord, moi je préfère avec les boutons appuyés, en fait. Hein. C'est vachement mieux. Ah oui, c'est vachement plus simple en maintenant appuyé. En fait, en mode de pêche simple, je pense qu'il faut recliquer pour arrêter que ça mouline.
Alors que là, il suffit de relâcher le... Il suffit de relâcher le bouton, quoi. Ce qui est quand même vachement mieux. Ok, toi, je t'ai fait peur. Donc, notre quête. Ouais, la pêche est facile, ouais. Désolé, je vous laisse. Bisous à ton garçon et amusez-vous bien. À bientôt. Merci, Sophie, d'être passée. À bientôt. Des bisous, bisous. Ah, tu sembles bien t'en sortir, Soma. Dis-moi comment s'est passée ta partie de pêche. Bien joué, mon ami. La pêche n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. Et peut-être même qu'un jour, tu quitteras la ferme pour rejoindre la mer comme moi. Mais ça suffit comme ça, je t'ai appris tout ce que je pouvais. Le fretin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour toi d'aller voir notre apiculteur local. Mel, l'apiculteur, peut t'apprendre à capturer des bestioles et je te conseille de bien l'écouter. Ok. Et toi, tu vends quoi, du coup? Non, c'est pas ça. Il vend des nouvelles cannes à pêche. Ok. Et sinon, il a une... quête? Ok. Alors, Mel l'apiculteur. Ok, donc par là-bas. Alors, toi, t'es qui, toi? Pearl, présidente de la guilde des marchands. Qui vend encore de la déco. Ok. On peut rentrer dans sa boutique? Ah bah oui. Enfin, je sais pas si c'est sa boutique, mais... Vend des objets à destination de ports éloignés depuis son entrepôt d'expédition. Ah, il y a une recette là-bas derrière. Ok. Ouais, donc il va falloir bien farfouiller pour trouver toutes les recettes. Alors, c'est des recettes de déco, hein, mais... Mais bon, tant qu'à faire, autant toutes les avoir. Hein. Du coup, là, il n'y a pas de lumière, j'imagine. Voilà, on peut pas rentrer. Ok, l'apiculteur, il est ici. Chemin aux briques d'argile, ça c'est pas mal. Content de te voir. Au printemps, j'aime chercher des moules à la plage. Elles sont faciles à trouver. Un nouveau visage. Quand j'ai entendu que quelqu'un s'était échoué sur notre rivage, j'ai eu du miel à y croire. Soma, c'est ça, ravi de te rencontrer. Tu dois avoir un trèfle à quatre feuilles sur toi pour avoir réussi à passer les tourbillons. Je suis Mel. J'espère que tout le monde te traite comme il faut. Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas reçu de nouvelles personnes sur l'île. Tu as fait un sacré buzz chez les abeilles. Tu as emménagé dans la ferme abandonnée. Génial. Alors comme tu viens d'arriver, je vais te montrer comment attraper des abeilles et autres bestioles ici sur Azoria. Azoria est un paradis pour les bestioles, principalement parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses que nous, les Azoriens. Surtout, ne t'inquiète pas de ce que cela fait aux bestioles. J'ai développé l'épuisette la plus douce et la plus confortable qui soit. C'est comme se faire ramasser par un nuage. Tiens, j'ai toujours une épuisette en plus, juste au cas où. Équipe ton épuisette, puis manie-la pour capturer une bestiole. Pour augmenter tes chances de réussite, prépare ton épuisette et approche doucement de la bestiole. Pourquoi ne pas capturer quelques bestioles pour revenir me les montrer? Je suis sûr que tu vas t'en sortir à merveille. Il faut que j'en capture 4. Mais c'est parti. Ok. Lancer. Ah, pour l'instant, c'est pas très difficile. Et ça, je me demande ce que c'est par contre. Ah, je peux pas aller aussi loin avec la canne à pêche. Et là, je suis de retour chez moi. Ok, retourne voir Mel.
Ah, on peut nager dans le jeu. Ah, ça m'a remis de l'énergie. Ok, on peut sauter quand on est au bord d'une... Attendez. Ah, mais si, on peut sauter, en fait. Pourtant, j'avais essayé la touche espace et j'avais pas réussi. Ok, ça, c'est du limon et de l'argile pour faire des bacs de culture. Impeccable. Capture de bestioles niveau 2. Et bonjour Miss Chanel, bienvenue à toi. J'adore ce jeu, hâte de bientôt jouer. Bah dans 10 jours à peu près, hein. Un petit peu plus. Ouais c'est ça, dans 10 jours. Ouais. Décèle, je vais devoir vous laisser car plus d'internet, je suis connecté avec mon tel et ce n'est pas top. Je regarderai la rediff. Ça marche Joël, merci d'être passé du coup. Et bah bon après-midi à toi. Alors, comment c'était? Agréable, non? Tu peux garder l'épuisette, tu as une super technique, je sens que tu vas vraiment te passionner pour la chasse aux bestioles. N'oublie pas, les bestioles peuvent te laisser de petits cadeaux si tu les mets dans une serre, mais on verra ça plus tard, le maire m'a demandé de ne pas trop te fatiguer. Tu sais, il y a de nombreux collectionneurs de bestioles sur cette île, tu peux vendre les bestioles que tu attrapes à Azoria, il y aura toujours quelqu'un pour les acheter. En fait, tu peux vendre tout et n'importe quoi en échange de florins. Si jamais tu ne savais pas, c'est notre monnaie. À vrai dire, le commerce est la spécialité de Pearl, la présidente de la guilde des marchands. C'est quelqu'un qui compte par ici. Je suis sûr que Pearl se fera un plaisir de te parler de la vente d'objets. Tu la trouveras au marché du centre-ville. C'était vraiment sympa de discuter avec toi, Soma. Allez. On va aller la voir. Elle est donc... centre-ville, Pearl. C'est parti. Elle est donc par là. Je vais garder ça d'équiper pour capturer des trucs. C'était quoi ça? Utiliser. Ok. Du coup, il faudrait que j'aille par là. Ah, par contre, on n'a pas de système de timing. Donc, je suis pas sûr qu'on tombe de fatigue au bout d'un moment sur le jeu. Même si je suis pas sûr de moi. Tapis de cuisine. Auguste. Qui vend des plats. Puis de la déco. Il y a énormément de déco sur le jeu, hein, apparemment. Frida. Casper. Ok, la boutique est différente, là. Il y a toi. Alors là, je gagne de la répute hein, avec certains là en discutant. Là, je suis pas sûr que ça lui ait plu. Et une dernière recette ici. Un lit en paille. Bon, en tout cas, il y a de la recherche à faire. Ça, c'est plutôt cool. J'aime bien dans les jeux pouvoir trouver des petits trucs à droite, à gauche. Bon, là, en l'occurrence, c'est des recettes, mais bon, je trouve ça plutôt sympa. Là, c'est fermé. Et donc, elle est ici, Pearl. Bonjour, félicitations pour ton arrivée. Salut, tu dois être Soma. Ravi de te rencontrer, moi c'est Pearl. Je dirige la guilde des marchands. Je parie que tu as les poches pleines de choses dont tu aimerais te débarrasser, je me trompe. Et si je te disais que tu pouvais transformer cette camelote en florin? Incroyable, mais vrai, tu peux vendre tous ces machins contre des florins ici et maintenant. Enfin, au marché, et tu ne recevras pas l'argent instantanément. L'heure n'est pas aux questions, c'est le moment d'apprendre. Écoute-moi attentivement, car ce que je suis sur le point de te dire va te changer la vie. À Azoria, tout se vend, absolument tout. Des fibres de plantes vendues, de l'argile vendue, une rainette crucifère vendue. C'est simple comme bonjour. Tu vois, il y a des étals au milieu du marché. Il te suffit de poser ce dont tu veux te débarrasser dessus et le matin suivant, tout aura été vendu. Ok, donc le coffre de vente, en fait, il est ici. Tu te demandes sûrement qui achète tout ça?
Ne te prends pas la tête, Azorea a tout simplement une économie saine, pleine d'acheteurs assoiffés de bricoles en tout genre. Comme le dit mon cousin préféré, l'inventaire quelconque d'un Azorien peut devenir le trésor d'un autre. Pose des choses sur l'étal de marché pour les vendre, Mérite le maire sera ravi d'apprendre que tu contribues à l'économie azorienne. Va la voir quand tu auras terminé. Ok, donc on va mettre tous nos insectes. Hein. On va mettre tout ça. Ah. Ok, ok, d'accord. Heureusement, il y a plusieurs étals. Oh, ça, ça redonne de l'énergie. Je vais le garder. J'avais pas fait gaffe. Là, non. Et là, non. Ok. Alors, petit succès Steam, l'appel d'Azorea termine le premier chapitre de l'histoire. Cool, on va débloquer des nouvelles choses. Te revoilà, Soma. Tout le monde chante tes louanges, tu sais. On dirait que tu es en train de devenir une véritable Azorienne et que tu t'es complètement remise de ton naufrage. Youpi, tout est bien qui finit bien, tu as gagné une maison et une ferme, et nous, notre première nouvelle résidente depuis. Eh bien, aussi loin que je m'en souvienne. Je ne me rappelle pas quand les tourbillons sont apparus, mais même avant ça, le moral n'était pas au beau fixe. Eh, bonjour Nadège, bienvenue à toi. Et comment vas-tu? Mais je suis sûr que tout ira bien pour toi, Soma. Maintenant que tu as tes outils, ta canne à pêche et ton épuisette, rien ne pourra te résister. Tu as tant de questions, nous aurons tout le temps d'y répondre, plus tard, mais maintenant tu dois être épuisé à force de parler. Rentre chez toi et remettons cette discussion à une autre fois. Excellent, tu sais Soma, je crois que tu vas faire de grandes choses pour Azorea. Ok, c'est l'heure de se coucher. Eh mais c'est parti. Ok, donc j'ai gagné 185. Ok, on peut avoir les détails comme ça. Eh bien, pas mal. Ça va bien, Nadège, merci. Chapitre 2, un problème épineux. Ah, alors on a eu une nouvelle ressource qui est apparue ici. Et consulte ta boîte aux lettres. Alors déjà, avant de consulter ma boîte aux lettres, je vais arroser. Alors les insectes sont pas trop effrayés, heureusement. J'aurais tendance à dire. Est-ce que je vais pouvoir me cuisiner quelque chose? Oui. J'ai bien fait de les garder. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une recette ici. Alors, on a un bâtiment là. Là, on a notre puits. Ok, encore une recette ici. Et du coup, j'ai vu que on avait débloqué un chemin de... Poste de boisson. Une invention qui brasse et mixe une multitude de boissons qui restaurent l'énergie et peuvent aussi te rafraîchir ou te réchauffer. Il me manque juste de l'argile. Ça, ça peut être intéressant à fabriquer, ça. Clôture. En fait, on a débloqué le chemin de briques pour faire des petits chemins dans notre ferme, mais j'ai pas la ressource. Ça, c'est de la déco. Par contre, on a quand même ceci qui peut être intéressant. Il faudrait juste que je farme de l'argile, en fait. Ok. Alors, ici. Le mode multijoueur est disponible. Chers amis des cultures féeriques, savais-tu que tes amis peuvent visiter le monde fantastique que tu as créé? Il suffit d'appuyer sur blablabla. Ok, alors par contre, franchement, en l'état actuel, pour l'instant, hein, jouer en multi, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est un multi où des joueurs vont venir aider sur la ferme de la personne qui invite. Mais il n'y a pas de partage commun, quoi, je pense. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Donc les teintures t'intéressent. Salut Soma, on m'a dit que tu venais d'arriver en ville. Tu voudrais peut-être quelques teintures pour changer la couleur de tes meubles et de tes vêtements. Je vais t'envoyer un échantillon de mes meilleurs produits. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à venir me voir au marché. J'en ai toute une sélection, Mili. Parchemin éparpillé à tous les habitants d'Azorea.
Les récentes tempêtes magiques qui ont fait s'envoler des débris ont eu un effet très particulier sur nos commerces. En bref, le vent a éparpillé beaucoup de nos parchemins de recettes dans toutes les directions. C'est ce que je suis en train de ramasser depuis le début. Cependant, vous pouvez considérer ces parchemins comme notre contribution à la bonification d'Azoria. Suivez ces recettes et créez des choses merveilleuses. Ok, donc ça on connaît. Et méfaits magiques. Salut Soma, tu as dû remarquer des phénomènes magiques inhabituels à Azoria. Ce n'est pas très grave, sauf que ça l'est quand même. Tu peux venir me parler, s'il te plaît, Alaric le mage. Ok, donc j'ai une nouvelle quête grâce à ça. Ici, donc la quête, on est d'accord. Et dans l'almanach, j'ai débloqué ça et ça. Et ici, on va débloquer des espèces de smoothies. Et le poisson grillé. Parfait. Du coup, j'ai des repas qui me remettent cuisine niveau 2. Ah, j'ai oublié de revendre. Ah non, je l'ai attrapé tout à l'heure. Ça me remet combien ça? Plus 15. Alors, Alaric. Il est par là-bas. Alors, de l'argile. Si on veut faire la table de craft supplémentaire. Alors vous en pensez quoi pour l'instant les loulous du jeu? Votre premier avis, on va dire. La brute de décoffrage. Agriculture niveau 2. Du coup, ça, on va se le mettre. Ah, on peut faire des smoothies, effectivement. Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé les items, mais... thé vert et thé glacé. Cool. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah, nickel, Miss Chanel. De toute façon, je sais que c'est plutôt qui sont présents aujourd'hui, les fans de Farm Sim. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Ah on peut descendre comme ça aussi, mais on gagne tellement de temps en fait à faire ça. Alors, un boulanger précis et méthodique qui nous vend de la farine et du beurre. Il n'y a pas d'autres recettes cachées. Si, ici. C'est mignon, Patrice. Ok, le jeu est mignon. J'aime bien. Je l'attends depuis l'annonce. Ah, il a été annoncé depuis un moment en plus. Hein. Ça fait déjà un bail. Hein. Ça fait un sacré bail. Rainette crucifère. Ah, y en a des tapis. Hein. Tapis violet, tapis machin, tapis truc. Oh oui, il devait déjà sortir avant. Bah ouais. Ah. Ah, je trouve dommage que quand on rentre, enfin quand on a un petit chargement, on a la sélection d'items qui change. Vous voyez là, je suis repassé sur la faucille, sur les outils généraux, on va dire. Et là, si je veux me remettre en chasse aux papillons, faut que je refasse la sélection. Cléo, aventurière, semi-retraitée avec plein d'histoires à raconter. Ok. Salut Soma, je m'appelle Alaric, l'humble mage d'Azoria.
La mère nous a laissé choisir nos titres, mais elle a mis son veto sur le premier titre de Mel, Ours à miel d'Azoria. Oui, bien sûr, tu te demandes pourquoi je t'écris. Eh bien, il y a beaucoup de magie à Azoria, de la magie sauvage plus précisément, ce qui signifie incontrôlée et potentiellement dangereuse. Oh, pardon, je ne voulais pas t'inquiéter, mais en fait si, parce que c'est assez dangereux. Tu n'as peur de rien, eh bien, bonne nouvelle, même si ça ne te poussera peut-être pas à prendre les bonnes décisions. Je sais ce que je dois faire, je vais te fabriquer un bourdon magique. Tu pourras t'en servir pour te protéger et pour contrôler un peu de la magie sauvage. Ça venait de mon ventre, je me faisais tellement de soucis que j'ai oublié de manger. Je n'ai pas pris de repas digne de ce nom depuis des jours. Tu penses que tu pourrais me cuisiner quelque chose? Je ne mange que des moules crues. Je crois que je vais bientôt en devenir une. Ah, des moules mais crues. Je les ai toutes cuites, moi. Toi, t'es pas casse-pied, toi. Des moules crues, quoi. Sérieusement. Est-ce qu'il y a une recette qui traîne par ici? Je ne vois pas. Là. Une enclume. Oh. Ça, par contre, ça peut être intéressant, ça. Salut. La forgeronne de la ville, c'est elle qui améliore les outils. Le printemps est la meilleure saison de l'année, comme si la nature revenait à la vie. Donc là, il faut 100 florins et il faut un objet non découvert qui doit être du minerai. En plus, on aurait des choses gratuites avec les mages en décembre 2023 jusqu'à juin 2024. D'accord. La neige, c'est mignon. Christine, ça a l'air sympa, à voir si ça ne ressemble pas trop à Animal Crossing où je me suis vite ennuyé par le manque de map. C'est autre chose qu'Animal Crossing. C'est assez différent. Mais en termes de taille de map, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus. Mais bon, c'est à voir. Hein. Ça, je pourrais pas dire. Alors, théoriquement, je peux faire ça. Voilà. Est-ce que je suis déjà rentré là? Non. Je vois pas de plan. Peut-être la mairie, ça, ou quelque chose comme ça. Bureau en bois majestueux. Et tapis fuchsia à carreaux. Alors moi, je cherche toujours à aller sur la plage. Un tonneau. Ah, je vais en louper des recettes, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a un respawn des items sur la plage? C'est pas gagné. Donc, je suis ici. Il y a la plage par là-bas aussi. Ok, donc il y a une seconde plage. Donc on va aller voir à droite. Ok, parfait. On va farmer tout ça. Hein.
Ah, c'est bien un crustacé grillé qu'il faut mettre, alors qu'il pourtant il est disé cru. J'avais pas relu la quête. Donc maintenant on a l'heure et tout, hein, donc il va falloir surveiller les timings pour... Oh, j'ai eu les deux d'un coup. Cléo. Ah oui, on l'a déjà rencontré. Excellent. J'adore ça. C'est tout con, mais... Donc par contre, crustacé grillé, ben, je l'ai déjà en fait. Donc je peux aller lui rendre. C'était par contre Alaric. Alors c'est bien aussi qu'on puisse suivre les PNJ comme ça, qu'on puisse les traquer. Moi je trouve ça pratique. Après, chacun aura son avis là-dessus, mais je trouve ça plutôt plaisant. Connaissance. Aha! J'ai hâte de découvrir tout ça, ensuite je passerai ma soirée dans mon laboratoire alchimique et ton bourdon magique sera prêt demain matin. Pas de quoi je... Pas que je sois du genre à conseiller aux gens de travailler la nuit, bien au contraire, mais les temps sont durs. Rejoins-moi demain devant le plus gros buisson de ronces, on testera la solidité du bourdon avant de s'occuper de magie. Et là on aura 500 florins de récompense, ce qui est plutôt cool. Et Success Team, filet supersonique, attraper deux bestioles ou plus d'un seul coup. Il a été long à se déclencher le succès. Donc je pourrais recuisiner ça. La farine, ok. Le beurre. L'enclume. Okay, on a trouvé pas mal de choses, hein. Et J, ce serait pas les quêtes? Non. Elle alors? Ah, c'est elle les quêtes. Du coup, si on rentrait chez nous. Ah oui, on peut passer dans des endroits. Un peu tordu, hein. C'est pas mal ça. J'aime bien ça. Ce côté un peu exploration. Ah, faudrait que je revende mes items. Avant la nuit. Enfin, des sous. Revendons, revendons. Tout ça je garde. Il est 6h30. On va défoncer notre stamina pour déblayer. Hein. Les traquer. Ouais, je les traque moi. Sans pitié quoi. Déblayer tout ça.
J'aime bien le côté aussi où, suivant la situation qu'on est, on utilise l'outil automatiquement, on n'a pas à sélectionner l'outil. Alors c'est un truc un peu de fainéant, hein, mais c'est pratique. Du coup, on gère pas de slot de raccourci, en fait. Tu peux faire le truc à boisson. Bah, il est déjà fait. L'attelage, il est déjà fait. Le truc à boisson. Voilà, quasiment plus de stam. Il est 8h. Forage niveau 2, enfin. Et il est là, le truc à boisson. Poste de boisson. Mais j'ai pas découvert encore les ingrédients. Donc faudra attendre. Ok, bon bah on va pouvoir aller se coucher. Alors je sais pas quelle est la limite avant qu'on tombe d'inanimation, enfin de machin, voilà. Et je sais pas si, si jamais on arrive à 0 de stamina, s'il se passe quelque chose ou pas. On va tester, tiens, de se mettre à 0 de stam. Ok, on peut plus farmer. Ouais, on peut plus farmer. Ça marche. Par contre, il nous dit on peut manger un légume vert grillé, donc on a un raccourci pour manger si on veut. Ça, c'est pas mal. Mais nous, on va aller se coucher. C'est pas grave, Nata, t'inquiète. Dormir. Dormir. Du coup, on a gagné 162. Et on a gagné le bourdon magique. J'ai retrouvé Alaric là où les ronces étaient les plus denses. Il m'a présenté le plus étrange des bourdons magiques. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Parce que les ronces ont commencé à reculer. Les babazars devaient craindre mon nouveau pouvoir. Les gentils azoriens n'ont plus besoin de se cacher. Tu as obtenu un bourdon magique. Ok. Ah, c'est quoi, Q? Ah! D'accord! Si on équipe des items dans notre maison, ça nous booste nos stats. Et là, en l'occurrence, je pourrais faire la table rustique pour gagner de la santé. Ah ah! Et un, c'est quoi? L'inventaire! C'est la boîte de stockage. Donc là, en fait, si je fais ça et ça, et que je fais ceci, et que je le mets genre là, j'ai gagné de la vie. Et donc si je fais ça, ok, mais c'est excellent ça. Je savais pas qu'il y avait un menu comme ça. Et il y a un système de level peut-être dans la maison. Alors taux de régénération actuel 1. Pour demain, 2. Vous devez d'abord dormir pour bénéficier des avantages des nouveaux objets fabriqués. D'accord. La vitesse à laquelle la santé, l'énergie et le mana se rechargent automatiquement lorsque vous êtes chez vous. Ah, quand on est chez nous, ça se recharge quand on reste dans notre intérieur. D'accord, c'est un bonus pour la recharge. Ah oui, c'est génial pour les outils, j'aime bien. Oui, moi je trouve ça pratique. Bon alors, après c'est mon avis à moi, hein. Pas une petite recette qui traîne dans ce coin là. Ça a pas l'air. On va arroser nos cultures. Là c'est pareil, je suis pas obligé de relâcher le clic souris. J'ai juste à déplacer ma souris. Ça c'est très pratique aussi. Et j'avais pas vu le champignon ici. D'accord. Oula.
Donc retournez voir Alaric pour obtenir des récompenses. Et bien c'est parti. On va se mettre en mode attrapage d'insectes. Oh! Tapis à Damier Rose. Eh, hey, bonjour Aurélie, bienvenue à toi. Et comment vas-tu? Ah, je suis plus en mode attrapage de bestioles. Ok, donc Alaric. Il est là-bas. Ah bah il est chez lui en fait. Hey! J'organiserai mieux mon agenda si j'aurais le temps, n'était pas si fastidieux. Bon Soma, c'est l'heure de tester ta force. Essaie de cogner ces ronces avec ton bourdon et illico presto l'obstacle disparaîtra. Non, c'est vraiment un bourdon magique, mais fais-moi confiance, on passera à l'aspect magique plus tard. Maintenant que tu as ce bourdon, tu pourrais l'utiliser sur d'autres ronces et... Oh, et n'oublie pas de regarder ta boîte aux lettres, c'est le moyen utilisé par les Azoriens pour communiquer. Ok, ok, ok mon gars. Donc là, grosso merdo, je retourne chez moi et je teste le bourdon. Genre ici quoi. Ah bah nickel. Ah par contre il y a ça là. Pas ce que c'est ça. Là je peux pas passer. Qu'est-ce que c'est ça? Cette pelle n'est pas assez solide, améliore-la pour creuser ici. Ah, là je peux... Ah si, j'allais dire je peux pas... Il y a tout un tas de trucs ici. Ok, mais là je pourrais pas passer. Alors, succès Steam, rosseur de ronces, détruire 50 barrières. Et succès Steam, une situation épineuse. Ok. Est-ce qu'on peut sauter par-dessus? Non. Alors attendez, il faut que je retrouve le chemin pour repartir. Donc là, j'ai débloqué ce coin-là. Ok, et ici, on a débloqué le pont. Clôture en bois de chêne. Jack aime les grands espaces et l'activité physique. Il veut un escargot petit gris. Bon, j'ai pas ça. Par contre, c'est pas joyeux par ici. Hein. Au niveau de la map, je sais pas où je suis par contre. Hein. Bois lugubre. Ok. Il y a beaucoup de ressources à récupérer ici. Si.
Ah oui, ok, ça je peux pas. Ça fait de l'XP hein, de ramasser tout ça. Cueillette niveau 4. T'as la cueillette, ça avance vite. Hein. En même temps, on ramasse tellement de trucs. Ah, alors là par contre, jamais on fait le saut, ça c'est sûr et certain. Et donc là, je reviens en ville, enfin on va dire ça. Mais je suis... Ah, chemin d'argile. Tapis. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse sauter un peu à droite à gauche. C'est plutôt pas mal. Par contre, je sais pas du tout où je suis. Hein. Clôture en bois. Là, on trouve un paquet de recettes. Et là, je suis où? Je suis ici. Vallée luxuriante. La map, elle a l'air grande quand même. Hein. Bon, par contre, on va se remettre un peu sur les quêtes. On va repartir en ville. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. On va refourguer des trucs. J'aurais plein de trucs à cuisiner à première vue. On dirait Disney pour les ronces. Ouais, c'est vrai, missionnel, tout à fait. Elle est ici, la mer ? Ah oui. Salut toi. Séance, c'était une abomination visuelle. Tu as bien fait de nous en débarrasser. Alors Soma, est-ce que tu commences à connaître un peu les autres Azoriens? Si ce n'est pas le cas, je peux te donner quelques conseils. C'est un peu ma spécialité. Atteindre le statut ami avec la personne de ton choix. Parfait. Eh bien, une bonne relation, c'est un peu comme une bonne soupe. Il faut plusieurs ingrédients, de la patience, du temps et faire bouger un peu les choses. Bon, le dernier point n'a pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec le reste, mais fais-moi confiance. On peut dire qu'il existe deux types de relations, les amitiés et les romances. Pour établir une amitié, il faut passer du temps avec la personne, tout le monde adore discuter. Continue de renforcer ces amitiés, certaines personnes insisteront pour que vous deveniez meilleurs amis. Tu peux avoir autant de meilleurs amis que tu le souhaites. Les vendeurs du marché sont généralement trop occupés par leur boulot pour avoir de vraies relations, mais tu trouveras beaucoup d'autres personnes sur l'île avec qui te lier d'amitié. Bon, en fait, tous les marchands, on ne peut pas se lier d'amitié avec eux. C'est pour ça qu'on n'a pas les espèces d'effets de pièces là ou de trucs quand on parle à quelqu'un. Par contre, les PNJ où il n'y a pas de boutique, c'est le cas en fait. Certains habitants d'Azoria sont notamment à la recherche de relations romantiques. Tu peux discuter avec eux, les aider en leur offrant des cadeaux et même finir par sortir avec eux. Et qui sait, si tout se passe bien, un jour cela pourrait même déboucher sur un mariage. Non pas que ce soit une obligation, bien sûr, c'est toi qui choisis d'entamer une relation ou non. Pourquoi ne pas aller essayer de te faire un ami et reviens me voir ensuite pour tout me raconter? Alors justement, toi. Ok. Alors, est-ce qu'on a un onglet relation? Parce que c'est bien beau tout ça. Ah, voilà. Bon, les personnages avec qui on peut faire des relations et les personnages avec qui on peut faire une romance. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Ok. Donc Alaric, par exemple, c'est lui qu'on pourrait essayer de se faire pote. Ça pourrait être sympa.
Moi, ça me fait penser à Ever Oasis. À Ever Oasis? Oh là là, tu me poses une colle, Lyriel. Ever Oasis, je connais pas ce jeu, enfin de mémoire. T'es sûr du titre? C'est pas sur Steam en tout cas. Ah, mais je suis en QWERTY. Oasis. Non, je connais pas, non. Un jeu sur 3DS. Ah, d'accord. Ça me dit rien du tout. J'avoue. Donc, ça va être une quête un peu plus longue à faire. Donc, on va aller voir Alaric, voir si on peut établir quelque chose avec lui. Il est où, Pépère? Il n'est pas là. Il est par là-haut. Et après, il faut qu'on retourne à notre ferme parce qu'on nous a dit qu'on pouvait avoir du courrier. Discussion. Ok, je suis pas sûr qu'on ait progressé, mais bon. Du coup, on va aller chez nous. Donc, on avait arrosé. Je voulais vérifier. L'enclume, c'est de la déco. Ah, l'enclume, c'est de la déco. D'accord. Et ça n'a pas poussé encore. Magie. C'est une quête secondaire qu'on a eue avec la mère. Et donc au niveau de ma boîte aux lettres, non, j'ai pas de courrier. Clôture de bûche. On va farfouiller un peu à droite à gauche, hein. Donc ça, pour l'instant, on peut pas s'en débarrasser. Oui, le titre est bon. D'accord, ça me parle pas, Lyriel. Donc du coup, on va continuer de déblayer. Donc on avait fait tout ce côté. J'imagine que là je peux pas. Voilà. C'était logique. Allez, on casse des trucs. J'aurais peut-être aller acheter d'autres cultures aussi pour planter, enfin d'autres graines. Ça pourrait être sympa.
Puis en même temps, comme ça, on monte nos compétences. Je crois qu'on a passé la barre des 40 viewers. Bah, bienvenue à tous les nouveaux arrivants, hein, qui ne se sont pas forcément manifestés. Merci à vous. Le chat est calme, hein, on... Vous êtes sage. C'est bien. J'ai fait un coup critique là sur la bûche. Et niveau 3 en bûcheronnage. Du coup, on a gagné quoi justement en passant niveau 3? C'est pas ça. En passant niveau 3, on a encore gagné. On a gagné de l'efficacité. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire par efficacité. On n'a pas l'info. Dommage. Donc le niveau 3 qui demande 500 par rapport au niveau 2 qui demande 300 et le premier niveau qui demande 100. Ça a l'air de monter pour l'instant de 200 en 200. Le multijoueur qui s'est débloqué là. Ah, la sauvegarde qui s'est débloquée. On peut sauvegarder quand on veut. Ah, ça c'est cool par contre. Donc là, on a débloqué tous les menus du jeu. Apparemment. Ce qui est plutôt cool. On va défoncer notre stam. Hein. N'oubliez pas les poupous, sinon une araignée géante viendra dans vos draps cette nuit. Merci Natala. C'est gentil. Bah, mine de rien, on a 33 pouces hein, sous le live. C'est cool. Merci à vous. C'est un des soutiens, un des gros soutiens pour un youtubeur. Hein. Alors du coup, je vais faire un peu de stockage. Ah, faudrait peut-être que je cuisine mes trucs là. Ce serait pas mal. Donc ça, on... Je pense qu'on a un poulailler ici, hein, plus tard. Ah, j'avais pas pensé à cueillir ça. On a débloqué une nouvelle recette. Hein. Fruits des bois grillés. J'avais pas pensé à cliquer là-dessus. D'accord. Bah, c'est trop cool en fait. Il est 10h du soir. On va faire le test de laisser tourner le jeu pour voir ce qui se passe quand on, entre guillemets, la nuit se passe par elle-même et si on perd, on récupère toute notre stam ou pas. Clic clic, merci Nomi. Va vendre avant qu'il soit trop tard. Ouais, j'ai pas grand-chose à vendre. Hein. J'ai un papillon, une coccinelle. J'ai vraiment pas grand-chose. Hein. Mais bon, c'est vrai que je pourrais aller le faire. Oh! Eh ben oui, de nuit, il y a d'autres types de... De bestioles. Capture de bestioles niveau 3. Sac à dos plein, ça c'est bête. J'arrive, 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 j'arrive. Il se fait tard, il est temps de rentrer.
Allez, on va aller revendre ces deux-là. C'est pas évident, hein. Il y en a qui volent vite, hein. Donc ça doit être à minuit, je pense, qu'on tombe. Mince. On va voir ça, hein, on y est presque. Faut faire des tests. Je pourrais jouer sur PC avec la manette. J'aimerais le prendre sur PC. Oui, Miss Chanel, tu peux jouer à la manette sur PC. Et donc à minuit, la journée se passe. Ok. On a gagné 155, on a un nouveau message. Nouvelle quête disponible. Et donc au niveau de notre... Oh, chapitre 3, un port dans la tempête magique. Et bonjour Armania, donc je n'ai pas eu le temps de voir le message. Bonjour Cosaustralie. Chaîne découverte, il y a peu, excellente découverte de Faé et bravo pour le travail sur tes vidéos. Sur les vidéos, pardon. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Cosaustralis. Et puis bienvenue à toi du coup. Et j'espère que la suite continuera à te plaire. Donc, consulte ta boîte aux lettres. Oui. Je m'exécute. Battre de l'aile. Cher Soma, tu as fait du bon travail avec Léonce et j'ai pensé que tu pourrais m'aider sur un gros problème. Viens donc me voir. Voyons donc voir ton vieux pote Eddie. Je serai sur le port à regarder la mer, Eddie le marin. Ok. Coccinelle. Ici, du coup, on a ça. Préparé. On va, bien sûr, arroser. Ok, les cultures sont prêtes à être ramassées. Légumes, racines au four. Ah, je pense que les plats cuisinés, ça peut être peut-être un bon moyen de faire de l'argent. Ouais, j'ai pas forcément besoin de stamina pour le moment, vu qu'on n'a pas débloqué le côté mine du jeu. Donc du coup, je me dis que potentiellement, revendre les plats cuisinés, ça pourrait être cool. Ça vaut 8. Ça vaut pas si cher que ça, mais bon. 9, 10. Mais ça peut faire quand même de l'argent. Donc ici, je voulais mettre ça aussi. Faire un petit peu de place. Bon, ça par contre, le temps que ça cuisine, ça va prendre du temps. Tu as besoin de l'escargot pour une quête. Alors c'est pas pour une quête, je pense que c'était pour donner à un PNJ, mais je sais plus lequel. Mais oui, tu avais raison. Bah, du coup, l'escargot, je l'ai vendu. Hein, mais on sait où en trouver. Il faut attendre la nuit et il suffit de sortir un peu de chez nous et c'est bon, quoi. Ok, ça, c'est bientôt fini. Je vais lancer ça pendant qu'on part en ville et qu'on aille parler au PNJ, machin, tout ça. Cuisine niveau 3. Ah, mais on peut lancer plusieurs préparations en même temps. On n'est pas obligé d'attendre. Ok, nickel. Je découvre des trucs, c'est trop bien. Donc, faut que j'aille parler à Eddie. Alors, Eddie, il est là. Donc, c'est parti. Oh, est-ce que je peux faire comme ça, en fait? Non, je peux pas trop couper comme ça. Hein. Vas-y, vas-y. Grimpe. Vas-y, Micheline, tu peux le faire. Bon.
Essayer de prendre des raccourcis, c'est pas la meilleure solution. On peut pas... Bah non, on peut pas. Ah oui, par contre, du coup, la table se remplit très vite, quoi. Poussière virevoltante. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la magie. Poussière magique délicatement récoltée sur de petites ailes. Je peux pas descendre. Mince. Voilà. Ok, ça se trouve sur plusieurs papillons. On peut faire de l'engrais généreux avec. Et puis on peut faire d'autres items. Ah ouais, on peut... Ok, il y a un paquet de craft, j'ai l'impression, sur le jeu. Et pas qu'un peu. Donc là, on vient de gagner de la relation en parlant avec ce PNJ. Ok. Ça, je trouve ça trop cool aussi qu'on puisse nager, quoi. Donc, on gagne de la relation aussi. On complète la quête. Ah, Soma, merci de passer me voir. J'ai une histoire à te raconter qui te fera frissonner. Je dormais un soir sur mon matelas à bord du Grace. Le Grace, c'est mon navire et c'est une merveille. Enfin, il l'était. À mon réveil, mes chaussettes étaient trempées. Rien de grave a priori, mais en fouillant dans mon coffre pour enfiler une autre paire, il était rempli de poissons. C'est là que j'ai compris que, le Grace était pris au piège d'un violent embryon et qu'il allait couler. J'ai attrapé mon chapeau de pêcheur porte-bonheur et j'ai plongé dans l'eau glaciale. J'ai nagé comme un fou jusqu'au rivage. Puis je me suis retourné juste à temps pour voir mon Grace englouti par les vagues. Je peux toujours construire un autre navire, mais il est impossible de remplir des ventres avec des poissons que je n'ai pas pêchés. Il est inconcevable que je laisse les habitants d'Azoria mourir de faim. Ils comptent sur moi pour leur fournir de délicieux poissons. Tu as toujours la canne que je t'ai donnée, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir fournir plus de poissons au marché? Ok, bah go, hein. On va gagner 500 florins, donc on va pas se faire prier. Alors, complètement loupé. Oh, t'es capricieux, toi. Ok, un saumon. Allez, viens par ici. Et de 2, pêche niveau 2. Et enfin, un petit dernier pour la route. Ah, je lui ai fait peur à lui. Il me regarde pas. Ah si, c'est bon. Il est sérieux, ce poisson? Non mais... Mais si. Hey, salut Chris, comment vas-tu? Ça y est, j'ai la journée finie. Et 2, 3, on est bon. À pouvoir aller revendre tout ça.
Bah tiens, toi, on va te parler. Hop. Alors, c'est une marchande, donc je peux pas. Ça va être de la bouffe gratos, hein. Du coup, 1, 2, 3. On va vendre ça aussi et ça. Donc la quête se validera demain. Je vais bien, merci. Oui, journée finie. Bon, c'est cool ça. Le gars des bois obscurs. Ah oui, pour l'escargot. Je pourrais jouer sur PC avec la manette, j'aimerais. Oui, mais pas avec la souris. Non, tu pourras jouer à la manette sur le PC, oui, il n'y a pas de souci. C'est pris en charge. Quand tu vas dans les options, commande, ta configuration de la manette. Voilà, et après la réassignation des touches pour le PC. D'ailleurs, les fameuses touches onglet gauche, onglet droit. J'ai bien l'envie de les changer avec gauche. On va mettre ça et ça. Voilà. Tant qu'à faire. Donc, la quête ici, on est obligé d'attendre. Est-ce qu'il y a une autre quête quelque part? Non. Par contre, on est loin de connaître tous les PNJ. On pourra aller parler avec tous ces PNJ là. Par exemple, on prend Bjorn en suivi et on va le voir. Ça pourrait être une bonne idée. Et en même temps, on prend le filet à papillon au cas où on croise des trucs. Et puis on est parti, quoi. Donc ça a l'air d'être en bas. Ils sont où? Ils sont là. J'apprends le métier de marin, Bjorn. Ok. Donc là, on a fait Bjorn qui a changé de place en fait. Qui sont là-haut les autres? Bonjour Soma, salut Gérald. J'étais dans l'ombre, il y avait de la famille à la maison et n'oubliez pas les pouces, les amis, c'est gentil, merci. C'est gentil, c'est gentil. Comment je monte là-haut? Par là. Toi. Voilà. Petite recette ici. Ensuite. Ok, ça donne. Ok. Toi. On va déblayer les ronces. Hey, des cocottes. Service d'élevage d'animaux. Ok, je fournis un service d'élevage pour tes adorables poules et lapicotons. Je vends aussi des amulettes de rencontre et des coussins. Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Élevage d'animaux. Si tu veux le partenaire d'élevage idéal, tu dois me rapporter poulot ou lapicoton. Ok, je fournis un service d'élevage pour tes. Hein? Ok. Ah, c'est pour l'accouplement. Ok. Ok. Y a une recette ici que j'avais pas vue. Ah, j'ai dû en louper d'autres, hein. Est-ce que j'en ai pas loupé ici? Si. Ok. Clôture de paille.
laissez-moi passer. Ballot de paille. Tapis à poils longs cacao. Sérieusement? Donc encore service d'élevage, mamou et cornelaineuse. Toi. Ok. Clôture croisée en bois. Oh, là où il fait froid. Ah, ok, on a une jauge de gel. Donc, on va pas traîner. Oh, des feuilles de thé pour faire les boissons. Nickel. Ça, c'est cool. Combien il me reste de place? Dommage, je les aurais pas. Ça, c'est des plantes normales. Donc, les loulous, on va se rentrer. La ferme, bah c'est par là. Impeccable. Bonjour Pixie, comment vas-tu? Ou plutôt re-bonjour. Le thé c'est bon, le café c'est mieux. Ouais, je préfère le café aussi. Coucou Sébastien, bienvenue à toi. T'es loupé du monde. Alors, on est revenu à la ferme. J'ai plus de place pour t'attraper, toi. Toi non plus. Je voulais voir en fait ceci, ça se revend 3. Et une fois cuisiné, on n'a pas l'info là ici. Du coup, attendez. Une fois qu'on l'a cuisiné. Ah, il me faut. Ah, c'est bon, j'en ai récupéré 10. Ça vaut 7. Donc, ça vaut le coup de les cuire. On gagne 1. Enfin, non, on gagne 4 en fait. On gagne 4. Donc, ça. Bim. Et du coup. Ah oui, alors j'ai ça aussi que je peux transformer maintenant. Feuilles de thé et feuilles de thé. Une boisson chaude à base de feuilles de thé qui rend vin. Et ça, ça rend vin aussi. Thé glacé. Ah, alors attendez. Je peux annuler ou pas? Tout récupérer. Je peux pas annuler le craft. Maintenir annulé. Mais annuler quelle touche en fait? Ça ne marche pas de maintenir annulé. Je vois pas comment annuler le craft. Bon, c'est pas grave, je voulais garder les fruits rouges. Ça va, je reviens des courses et je fais des praetoriums en boucle un peu. Ah bah c'est cool. Tu vas prendre de l'avance du coup. Et coucou Elodie, bienvenue à toi. Du coup, ouais, ça j'en ai pas besoin. Je sais pas s'il me reste de la place sur les tables de vente. On va aller voir ça de suite.
Il doit m'en rester un petit peu. Du coup, la revente, quand même, quand on fait un max de craft comme ça, c'est hyper galère parce que... Bah, je peux pas revendre tout ce que je veux, en fait. On est quand même limité en termes de quantité de revente sur le jeu. Je trouve ça un peu dommage. Là, ils ont été le mettre là-haut, le truc de stamina, là. Est-ce que j'ai des escargots? Crapaud commun. Moi, je pense qu'on va aller dormir et continuer de revendre des trucs, hein, parce que là, j'ai en fait, j'ai plus de place. J'ai plus de place du tout. J'ai pas racheté de graines. Allez, go dodo. Donc on a gagné 298, c'est pas mal. Quête prête à être terminée. On a un message de Vera. Cher Soma, avec mon apprenti, nous avons entendu dire que tu comptais explorer la mine. Non, mais j'aimerais bien. Tu devrais prendre des potions avec toi, elles sont légères, pratiques et elles pourraient être utiles si jamais il t'arrivait un malheur. N'hésite pas à venir dans notre boutique pour consulter notre sélection de potions. C'est comme avoir un petit docteur dans ta poche, François de toi verra la doctoresse. Ok. Ça, ça a pas fini. Oui, du coup, j'ai pas assez de place. Donc on va revendre, mais je vais pas pouvoir tout revendre. Ouais. C'est un peu la merde. Hein. Annuler. Y a pas moyen de... De ranger tout ça? J'ai pas l'impression. Et si on parle au PNJ, on peut pas leur revendre directement, on est d'accord. Hein. Acheter, fermer. Non, il n'y a pas d'onglet vente. Hein. Ah, par contre, c'est à toi que je vais racheter des graines. Graines de haricots. Graines de chou-fleur. Mince. Et on va remettre des radis. Ok, on va aller planter tout ça de suite. Donc, ici. Parfait, on va faire. Il me faut ceci. J'espère qu'on aura des arroseurs à un moment donné. Hein. C'est pour ça que je fais des parcelles de 8. Ah, j'ai plus de sable. C'est embêtant. Un farm sim, Sébastien. Un bon farm sim qui se respecte. Ou pas. Ici. Tu veux pas me donner l'option? Allô? Merci. Et il me faut
Il me faut ceci. C'est ça. Un farm sim comme je les aime. Agriculture niveau 3, parfait. Allez, on va faire celui-là aussi. Impeccable. Donc, on continue avec ça. Du sable qui me manque. Ah mince. Je suis en train de me tromper. On recommence. Ça, je sais pas encore à quoi ça... Enfin, si, on commence à savoir à quoi ça va servir, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Du coup, faut que j'aille sur la plage. Si je veux planter mes dernières graines. Donc, la plage. Vamos a la playa. PC et Switch à partir du 8 septembre. Et c'est multijoueur cross-platform, c'est-à-dire un joueur PC pourra jouer avec un joueur Switch. C'était pas ici du coup, c'est devait être l'autre plage où il y avait... Mince, j'ai pas choisi le bon côté. Allons-y. Je crois pas que c'était ici, hein. Voilà, il y a d'autres types de poissons que je pourrais pêcher. Voilà. Niveau stamina, on est pas mal. On va s'en faire un max, comme ça on les aura d'avance. Voilà. Clôture en planche simple. Ah, j'avais pas poussé jusqu'ici la dernière fois. Il y a tellement de trucs. Mine d'eau salée. La porte est verrouillée. Clôture encore de simple. Chemin de terre, ok.
Et si on se laisse tomber là? Plante tropicale. Non, tu veux pas monter? Tapis de fleurs estivales. Ok. On repasse par ici. Waouh. Clôture de bûche fendue. Tapis tissé beige. Ok, il y a plein de recettes. Caisse ouverte. Bon, tout ça, c'est de la déco, hein, mais... Là, je passe pas. Ah si, je peux passer comme ça. Clôture en piqué en bois. Drac. Ok, nouveau PNJ. Je peux pas les cueillir. Est-ce que je suis à inventaire plein? Non. Ah bah, je sais pas pourquoi, je peux pas les cueillir. Cible de tir à l'arc. Mannequin d'entraînement. Eh ben, il y en a un paquet de carafes. N'oubliez pas de rendre la quête aux pêcheurs. Oui, oui, t'inquiète, on n'est pas pressé. Hein. Moi, je visite, là. Je visite, je visite. Alors, du coup... Là, je peux. Ok. Je vais avoir trop de trucs sur moi, encore une fois. Donc, moi, je vais juste à retourner chez moi. Oh, pour aller faire les carrés de culture qui me manquent. Un lit de camp. Et puis, bah, on sera bon. Je les avais pas éclatés ici. Apparemment non. Ok. Donc là on n'a pas trop le choix. Hop là. Donc, il m'en manque un certain nombre. Okay, j'ai ça qui est prêt aussi. Ça, on va revendre. Ça, je garde. Alors, je vais faire des smoothies. Hein. On va faire un comme ça. Un comme ça, voir la différence entre les deux. Sachant que ça, ça vaut 3. Là, il m'en faut 3 pour le faire. Et là, il m'en faut 3 pour le faire. Donc, ça coûte 9. Enfin, ça coûte 9. Je me comprends, hein. File d'attente. Récupérer. Et du coup, ça, ça vaut 12 pour 9. Et ça vaut 12 pour 9. Ok. Donc ça, ça pourrait protéger du froid. Ça, ça pourrait protéger du chaud. Pendant 4 heures. Je le comprends comme ça. Bah écoutez, on va en faire... Non, c'est pas ici.
Je vais en refaire un comme ça, un comme ça. Ça me paraît pas mal. On va stocker ça ici. Tu en fais un let's play? Oui, Sébastien, j'en fais un let's play, ouais. Ce sera certainement un peu comme Palia, ce sera essentiellement en live, mais pas obligé, je verrai. Et je verrai, mais je pense plutôt essayer de le faire en live, ouais. Ça plaît beaucoup, hein, ce genre de jeu, donc dans ma commu, donc... Alors, on doit aller voir Eddie, qui est ici. C'est vrai que j'aurais pu lui parler, je suis passé juste à côté de lui tout à l'heure. C'est, je pense que c'est pour ça que... je sais plus qui m'a dit, n'oublie pas de rendre la quête, c'est Nathan là. Bah oui, je suis passé juste à côté. J'aurais pu faire d'une pierre deux coups, hein, grosso merdo. Oh. Un tapis en bambou. Non, 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 non. Je l'ai vu, la quête. Enfin, la recette, pardon. Panier tressé. J'adore ce système de trouver des items à droite à gauche. Je trouve ça vraiment génial. Ok. Soma, je sens le poisson d'ici, bien joué. Tu verras avec moi, la mer n'aura bientôt plus de secrets pour toi. Grâce à toi, les habitants de la ville mangeront ce soir. Je devrais sans doute te présenter à mes sœurs. Elles ont une ferme dans les plaines d'abondance. Ça peut être très gratifiant de s'occuper des animaux et de la ferme, et en plus, ça permet de bien manger puisqu'ils fournissent de bons produits comme du lait, des œufs et du fromage. J'aimerais toujours la mer, mais je ne dirai jamais non à un morceau de fromage. Va donc à la boutique d'Erline, Côte-Côte Codec. Loretta et elle ont repris l'affaire familiale d'élevage et de vente de pouleux et de lapicotons. Ok, bah on ira faire ça sur la prochaine journée. En attendant, nous on va se rentrer. Petite luciole. Petit escargot que je vais garder. Alors je sais plus pour quel PNJ, quelqu'un me l'avait rappelé. Mais alors c'était où? C'était plus haut dans le chat. Tu as besoin de l'escargot pour une quête. Le gars des bois obscurs. D'accord. Le gars des bois obscurs. Les bois lugubres. Bon, bah là, actuellement, il n'y a plus personne. Alors, ouh, j'ai donc la quête à rendre ici. J'ai une autre quête à prendre ici. À Aspen. Alors, attendez, je vais aller la prendre. Par contre, quand on a des insectes à côté de ça... Voilà, on a tendance à cliquer sur le piédestal et ça reset le filet à papillon. C'est un petit peu embêtant. Il est là. Quête. Mais oui, tu es la nouvelle agricultrice. Quelle joie de faire ta connaissance, Soma. Je m'appelle Aspen et on dit que je suis le meilleur menuisier de la ville. En tout cas, moi je le dis. Il paraît que tu as acquis une ferme. C'est bien, hein, mais ça pourrait être mieux. Si j'ai bien compris, son indice de confort pourrait être plus élevé. Le confort est très important, tu sais. Tu n'es pas au courant? Crois-moi, le confort est crucial. Car quand on dort dans une maison décorée avec du mobilier confortable, on se sent en pleine forme le lendemain. Bon, ça, je l'ai découvert tout seul, du coup. Mais comment faire pour en avoir? On le fabrique. Tu veux essayer? Donc, atteindre un indice de confort d'au moins 5 au début de la journée. Je savais que tu le ferais. Fabrique plus de mobilier confortable dans ta maison. Dès le lendemain matin, tu remarqueras que l'indice de confort de ta maison aura augmenté. Impeccable. On va faire ça. On va faire ça, mon gars. On va faire ça. T'inquiète, j'y travaille. D'ailleurs, on va regarder si on peut pas craft quelque chose justement pour la maison. Et là, non, j'ai rien de plus. Donc pour l'instant, j'ai un indice de confort de 2, logiquement.
et on va aller se pioter. Parce que mine de rien, ça fait déjà 2h20 qu'on est en live. Et ça passe très vite. Donc pas de nouvelle quête, pas de nouveau courrier. On a gagné 200 et quelques. C'est pas mal. Et du coup, voilà quoi. On va aller revendre de suite. Je vais faire les, on va faire le jardin ici quand même maintenant. Ok, on va les revendre. Tout ce qu'on peut. Ça vaut 9, ça vaut 23. 23, ça vaut. Ah oui, ça vaut le coup de les vendre en fait. Ok, voilà, comme ça c'est fait. Donc va voir Erline l'éleveuse. Ensuite les deux quêtes secondaires c'est sur le long terme. Donc on va aller voir de suite. Voilà, personnage qu'on avait été voir tout à l'heure. Hein. Ah oui, je dois aller au bois lugubre. Pour, mais pour l'instant au bois lugubre il n'y a personne. Donc, on va commencer par la quête principale. Oh, jus d'insectes. Personne ne sait d'où vient le jus, mais les insectes semblent ravis de le partager. 24, ça vaut. Et du coup, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une bonne question. Jus d'insectes, oui, ça sert sur des trucs. Ça sert à faire de l'engrais, un autre type d'engrais. Enfin, ça sert à faire plein de trucs en fait. Ok. Bon. Alors, bonjour Madame Patate, comment vas-tu? Mais l'escargot, je sais pas le PNJ. Alors, est-ce que c'est lui? Je sais plus le PNJ en fait. Et pour l'instant, il n'y a pas de PNJ au bois lugubre, Christine. Donc, je l'ai. Ah, mais l'escargot, je l'ai revendu. Ah oui, je suis un idiot. J'irai le rechercher après. Salut, avant ton arrivée, nous n'avions pas vu de nouveau visage à Azoria depuis bien longtemps. Eh ben écoute, quelle belle journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ta copine Erline peut faire pour toi? Tu t'appelles Soma et c'est Eddie qui t'envoie. J'imagine que ce vieux loup de mer a arrêté de bouder. Maintenant, ma sœur et moi pouvons t'apprendre à élever des animaux sains et heureux dans ta ferme. Puisque personne ne l'utilisait, c'est moi qui gardais la clé du poulailler à côté de ta ferme. Tiens, je te la donne. Ton poulailler pourra accueillir la plus adorable des boules de poils, le lapicoton, ainsi que mon chouchou le pouleux. Une fois que tu auras acheté un animal, tu devras l'ajouter à ton registre de poulailler. C'est très important, si un animal n'est pas enregistré, il ne saura pas où est sa maison. Ton registre te permettra aussi de renommer tes animaux à ta guise. C'est Loretta qui choisit le nom des nôtres et elle a toujours de super idées. Ceci est une étape importante, une autre créature vivante est maintenant sous ta responsabilité. Tu devras la sortir, la nourrir, lui donner de l'attention et l'aimer. Alors ce défi est dans tes cordes, si c'est le cas, tu peux m'acheter un de mes pouleux puis l'ajouter à ton registre de poulailler. Ok. Cabane pour animaux, pouleux, lapicoton, œuf dur. Ah, à elle, on peut acheter et vendre coton brut, œuf et appât pour animaux.
J'ai deux animaux à vendre, poulet et lapicoto. De plus, si tu m'apportes ces types d'animaux, tu pourras les vendre ici. Alors, un nom pour un lapicoton. Enfin, je crois que c'est un lapicoton que j'ai pris. Ça va, merci. Nickel, Madame Patate. Oui, j'ai vendu l'escargot, j'en peux plus. Le jeu pour l'instant est très sympa, Madame Patate. Très très sympa. L'almanach est très utile, Sébastien. Oui, tout à fait, oui. On a plein d'infos dedans. Donc c'est plutôt cool. Alors, qui va me dégainer un nom en premier? Sinon, je laisse Bobin. Bobin, c'est le plus malin. Kenny. Merci Chris. Allez, c'est parti. Petite Pimpin. Alors Pimpin, c'est mignon quand même. Kenny, c'est juste pour se foutre de la gueule de Kenny, quoi. Bugs Bunny. Mon préféré, c'est Pimpin pour l'instant. À choisir. Allez, va pour Pimpin. Allez. Donc ça, c'est fait. Ok, il me suit en plus. Est-ce que je peux en prendre un deuxième? Donc là, on va acheter... Ah, d'accord. Ok. Du coup, il faut que j'aille le ramener. Mais c'est parti. Alors, il va éviter de sauter dans l'eau et compagnie. Clôture en fer. Là, je suis chez l'apiculteur. Est-ce que je peux aller à ma ferme d'ici? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Est-ce qu'il va me suivre là en fait? Peut-être une bêtise. Alors, l'escargot, il est là. Je le reprends. Et à la place, je mets ceci. Ok, il m'a suivi, c'est bon. C'est ça ou Lala Kenny? Lapinou, Pampan. Ah, Pampan, c'était pas mal aussi. J'aime bien. Bon, trop tard. C'est fait, c'est fait. Du coup. Pimpin. Humeur incertaine. Ah, je peux en racheter d'autres, hein. Ah, X. Ok. Bon, du coup, maintenant, on va aller... Alors, par contre... Comment ça marche? Parce qu'il faut que je les nourrisse maintenant. Donc il y a des auges. Acheter une poule. Alors il y a ça. Fibre de plante. Maximum de nourriture atteint. Ok, d'où l'amélioration de l'auge. Intéressant. Donc on va retourner acheter une poule cette fois. Alors les ramener un par un, c'est un peu chaud quand même, hein, mais bon. Passer par là, non?
Montons notre compétence de chasse aux insectes. Hein. Enfin, aux animaux, parce qu'il n'y a pas que des insectes. Il se TP le lapinou, trop chou. Il se TP à toi, on dirait. Oui, apparemment, oui. Il est magnifique. Ouais, il est joli, ouais. Il est mignon. Je suis trop haut. Alors, maintenant, on va faire notre quête, quand même. Non, c'est pas toi, en fait. C'est toi. Donc, prochaine bestiole. Cette fois, on prend un pouleux qui a un nom. Je suis toutoui. Donc, j'avais pris le pimpin de Natala. Donc, je vais prendre le pseudo de quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Alors, me dites pas Côte-Côte, hein, parce que bon. Me dites pas Mira non plus. Lénès, c'est pas mal. Pas mal, Athéna. Alors, vous apprendrez que j'ai tendance à appeler mes poules Mira dans les jeux, enfin, ces derniers temps. Mais on va éviter quand même cette fois. Hein ? On va être sympa avec elle. Non, une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Bon, bah, go, Ardak. On va éviter aussi Pixie. Hein. Allez, c'est parti pour Lénès. Je sais pas quelle est la référence, mais... Mais voilà, c'est bon. Et allez, on est parti. On la ramène. Casserole. Non, mais c'est... vous êtes sérieux avec vos pseudos? Allez, hop. Effectivement, il se TP, hein, j'avais pas vu. Alors, je pourrais en racheter encore 2 et 2. Hein, et, on va mettre ici. Du coup, faut que je nourrisse aussi. Ah, on peut faire des câlins. Alors, on peut les nourrir, les encourager. Air frais. Ok. Donc là, elle est nourrie. Et toi, air frais, il l'a eu. Par contre, brossé. Ok. Ça nous fait gagner de l'XP avec les animaux. Voilà, comme ça, elle prend son air frais. Impeccable. Eh bien, il faut que je retourne revoir Earline. Je sais même pas comment je l'ai attrapé, lui, hein, parce qu'il n'était pas du tout à côté de moi. Hein. Michel, oh là là, Gertrude. C'est bon une poule à la casserole, oui. Je vous laisse, bon live à tous. Merci Sébastien d'être passé. Un délire avec un pote sur un jeu vidéo, depuis c'est devenu son pseudo et aussi le nom d'une de mes poules pour les jeux de Farm Sim. Ah bah, tu vois, même chez moi il y sera du coup. Bonne soirée à toi Sébastien, merci d'être passé. Bah toi, tu vas passer aussi à la moulinette. On va voir ce qu'il faut pour agrandir l'auge. Mets à jour les auges de poulailler pour contenir 10 jours de nourriture. Allez. On n'a plus de thunes, mais c'est pas grave. C'est fait. L'argent, ça va, ça vient.
Et une autre cliente satisfaite, je parie que ta nouvelle poule est ravie de vivre avec toi. N'oublie pas de lui donner de l'amour et de l'attention, d'accord? D'ailleurs, tu pourrais peut-être aller demander à Eddie la dernière fois où il a promené un poisson. Maintenant que tu possèdes un petit poule, il est temps d'aller voir ma sœur. Ma chère Loretta est impatiente de te rencontrer et de t'abreuver de conseils. Ok. Donc Loretta, j'imagine que c'est elle. Ok. Déjeuner pour animaux. Quel plaisir de te voir, Soma. Je vais t'apprendre à nourrir tes animaux, ça ne prendra qu'une minute ou deux, je suis sûr que tu as le temps. Tu as acheté ton premier animal et maintenant tu dois nourrir tes animaux. Donc, en laissant tes animaux en extérieur, s'ils ont de quoi paître, ils pourront manger sans problème. S'ils ne peuvent pas paître, faute d'herbe, il suffit d'en planter. Mais même à Azoria, certaines journées peuvent être dures pour les animaux. S'il pleut ou qu'il neige, certains se mettront à l'abri. Et qui pourrait leur en vouloir? Pour ce genre de journée, il faudra les nourrir avec du fourrage. Mets du fourrage dans leur auge pour qu'ils aient de quoi manger. Les animaux n'aiment pas tous le même genre de fourrage, donc n'hésite pas à faire des essais avec différents types de plantes et d'herbes. Essaie d'aller couper quelques herbes pour récupérer des fibres de plantes, puis place-les dans l'auge de ton poulailler. Ah, c'est déjà fait en fait. Tu apprends vite, Soma. Tu as vraiment l'élevage dans le sang? Ok, ça me l'a validé. Je suis ravi qu'Eddie t'ait envoyé. Nous sommes un peu en froid depuis qu'il a quitté l'activité familiale pour se reconvertir en marin. Eddie a toujours été un peu anticonformiste, mais c'est un bon gars. Toujours prêt à aider les autres. Tu devrais retourner le voir pour lui parler de ta nouvelle poule et profites-en pour lui dire que ses sœurs l'aiment. Ok. Allez, c'est parti. Yahoo! Alors, ça mord aujourd'hui? Alors, oui, alors, il me l'a déjà dit. Oups. Soma, j'ai oublié une chose importante sur ce qui a coulé mon pauvre Grace. Le tourbillon qu'il a emporté était un tourbillon magique, mais en réalité, cela ne surprend personne sur l'île. Nous attirons les phénomènes magiques les plus étranges. Personne ne sait vraiment quand les tourbillons ont commencé, mais je les surveille et j'ai remarqué qu'ils partent tous de la plage où se trouve l'entrée des vieilles mines d'eau salée. Je suis prêt à parier que c'est ce qui est à l'origine de ces tourbillons, se trouve quelque part dans la mine. J'irai bien vérifier par moi-même, mais la mine est fermée depuis que Cléo a réussi à y rabattre tous les babazars. Donc sympathique voisinage, ce lit d'amitié avec 10 personnages. En succès-estime. Oh, les babazars sont les objets animés par la magie sauvage. Un jour, mon gouvernail s'est détaché pour se jeter sur moi. C'était dingue, mais bref, on a réussi à les faire rentrer dans la mine. J'ai vu ce que tu as fait avec ton bourdon magique, peut-être bien que tu pourrais aussi t'occuper de quelques babazars. Il va bien falloir si tu veux trouver l'origine des tourbillons. En revanche, il te faudra la clé des mines d'eau salée, va donc trouver Cléo et dis-lui que c'est Eddie qui t'envoie. Bon, ok. Eh bien, c'est parti pour aller voir Cléo qui est... Alors, attendez, j'ai ça à rendre. Ok. On va d'abord aller là. Parce que je sais pas pourquoi j'ai une quête à rendre ici. J'ai dû peut-être valider une quête secondaire. Prête à être terminée. Ah, j'ai atteint le statut ami avec... Ok. Ah bah nickel. Soma, tu as l'air de bonne humeur, parle-moi de ta nouvelle connaissance. J'adorerais en savoir plus. Ça a l'air adorable, il y a autre chose? Je suis ravi pour toi, j'ai l'impression que c'est le premier d'une longue liste. C'est pas faux. Salade de fruits. Ok, j'ai toujours mon escargot pour offrir à un PNJ. J'ai envie d'aller tester chez eux, là. Vite fait. Je me demande si c'est pas le vieux. Oh. Bah, nickel. Là, j'ai donné un cadeau, donc. Alors. Ah.
Ah, j'ai enfin la chance de croiser la nouvelle aventurière d'Azoria. Pas de fausse modestie, Soma, je sais qu'explorer l'inconnu est ta passion. Tu as traversé un océan, bon sang. Ce n'est pas rien. Alors, j'avais pas remarqué, mais. Enfin, ça fait un moment que je l'ai remarqué, mais j'en avais pas parlé. C'est vrai que quand on est en dialogue, hein, ou je pense quand on est dans les inventaires, le jeu se met en pause au niveau du timing. Hein. C'est classique aussi dans les farm sims. Hein. Moi, c'est Cléo, la plus grande aventurière d'Azoria. Ton nom était sur toutes les lèvres hier soir. À la bestiole tranquille, que puis-je faire pour toi? Edith a envoyé pour récupérer la clé des mines d'eau salée. Oh, waouh, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Désolé, ce n'est pas personnel, mais nous avons verrouillé les mines pour une bonne raison, et je ne peux laisser personne y pénétrer. Elles grouillent de bas bazar. J'avoue que tu as fait de l'excellent travail avec les ronces. Tu sais quoi, si tu me prouves que tu sauras te débrouiller seul là-dessous, je te donnerai la clé. Pour me prouver que tu es prête, va t'acheter une potion de soin et cuisine quelques plats pour faire le plein d'énergie. Alors, j'ai plus de thunes pour acheter une potion, mais on ira voir ça demain, du coup. Donc là, on sait pas ce qu'il veut. Et l'autre... L'autre, il est où? Je pense pas que c'était lui, hein. Non. Je vois pas qui c'est, alors. Hein. Le mec à qui je dois filer l'escargot. J'en ai pas la moindre idée. Donc, prépare et collecte de la nourriture pour les mines. Donc, il faut que je me fasse de la nourriture. La nourriture déjà prête ne fonctionnera pas. Capture de bestioles niveau 4. Tiens, ça permet de faire quoi, ça, d'ailleurs? Efficacité de capture. D'accord. Et bonjour, Anthony. J'y vais, j'ai du rangement à faire. Bye bye, bye bye, Pixie. Et bonjour, Panda. Ok. Du coup... est-ce que j'ai des trucs à cuisiner? Bah, j'en devrais pas tarder à en avoir. Il faudrait que je ramasse des fleurs rouges. Parce que j'en ai dans le coin. Non, j'en ai pas là. Des fleurs rouges, des fleurs rouges. Normalement, il y en a tout proche de chez nous. Mais je sais plus où. Je vais pas en trouver, quoi. Ah, sinon je fais. Je vais faire ça. Même si c'est pas suffisant. Voilà, là ça devrait aller. Ok. Du coup, on peut rentrer. Désolé pour le retard, il est 10h pour moi, je viens de me lever. Bah, y a pas de soucis, Anthony, t'inquiète. T'auras la rediff hein, si jamais tu veux vraiment tout voir. T'inquiète pas. Ah, mais elles étaient juste là. Je suis parti à perpète en chercher. Du coup, je vais refaire... Alors, par contre, j'ai donné une de mes boissons. Je vois pas laquelle c'était. On va recraft une comme ça. Il faudra que j'achète une potion à Vera. La doctoresse. Ok, c'est elle. Et il n'y a pas d'autre quête à première vue pour le moment. Donc là, en fait, on a la quête principale.
Et on a encore la quête secondaire avec les indices de confort. Donc 1 sur 5. 3 sur 5. M'en manque 2. Je suis full stamina. Hein, c'est dingue ça. Je finis la journée en étant full stamina. Bon, j'ai pas spécialement farmé en même temps, mais... Ok, on va aller se coucher. Il est 10h30. Ici, j'ai rien débloqué normalement pour l'indice de confort. Non. Donc on peut aller dodo. Et je pense qu'on va faire notre dernière journée pour ce live, les loulous. Parce que ça fait déjà quasi 3 heures qu'on est en live. Ça passe trop vite. 421, on s'est refait. Ça, c'est plutôt cool. On va aller nourrir à fond les animaux. Vu qu'on peut mettre 10 de nourriture maintenant dans les auges. On va faire les câlins, les machins, les trucs. Le brossage. Donc on a un œuf et on a autre chose là. Alors ils sont curieux maintenant. Ah mais je peux mettre 10 ou 2. Ah. Ah c'est nickel ça. Du coton et un œuf. Parfait. Donc l'œuf on va pouvoir le cuisiner. Voilà. Ensuite, ah bien sûr, arroser. Je crois pas qu'on ait de courrier. J'ai 1436. Ah ouais. Non, j'ai rien à cuisiner d'autre. Ils sont sortis par eux-mêmes. Par contre, ils n'ont pas de nourriture à disposition dehors. Hein, donc normalement, ils sont satisfaits sur tous les points. Bon, air frais, pas encore, mais c'est en cours. Du coup, on va les revendre. Je dois acheter la potion. J'aimerais bien vous montrer les mines avant que... On termine le live, ce serait cool. Alors, je vais garder un escargot. Voilà. Ensuite, donc Vera, c'est toi. Eh bien, yes, d'une pierre deux coups. Vera, elle est là. Je crois que je suis jamais rentré dans ce bâtiment. Non. Tapis émeraude à carreaux. C'est quoi que je dois acheter comme potion? Une potion. Il n'y a pas de... Par contre, tant qu'il y a des trucs d'affichés là, je peux pas cliquer sur la ligne. Bon bah, potion de soin. Hein. Et du coup, retourne voir Cléo pour obtenir votre récompense. C'est parti. Oh, merci pour la poussière.
Alors, montre-moi ce que tu as ramené, Soma. Voyons voir, potion, nourriture, on dirait que c'est bon, tout est prêt. Je crois que tu es prête, la clé des mines d'eau salée est à toi. Mais avant d'y aller, j'ai une ou deux autres choses à t'apprendre sur l'exploration des donjons dangereux. Nous autres explorateurs appelons donjons tout espace vaste et potentiellement dangereux dans lequel on pourrait souhaiter s'aventurer. Il est possible de te quitter le donjon à tout moment, mais il faudra refaire tous les étages déjà parcourus à moins que... Je te conseille de fabriquer des sauts de donjon au fur et à mesure. Je vais t'apprendre comment faire si tu as une minute, tu n'as rien d'autre à faire, pas vrai. Alors, un saut de donjon est une petite bricole magique qui te permet de revisiter directement un étage précis d'un donjon sans avoir à explorer au préalable les étages supérieurs. Un peu de magie, un peu d'ingéniosité en bricolage et te voilà avec un raccourci authentique. Il ne te manque plus qu'un peu de cuivre pour en fabriquer un et devine où tu peux en trouver, dans le donjon. N'oublie pas qu'il faut placer les sauts de donjon dans l'ordre, un saut au premier niveau, puis un autre au second et ainsi de suite. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer un saut de donjon? Pour cela, il te faut un poste de préparation de saut. Si tu n'en as pas déjà un, tu devrais pouvoir le fabriquer sans mal. Ok, donc, on a appris à faire un poste de préparation de saut, c'est ce qu'on va aller faire de suite. Pam, 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 pam. On va passer par là. Oh! C'est rare, ça. Abeille ouvrière. Ça, c'est rare, ça. C'est la première fois que j'en vois. Du coup... Pour faire ici un appareil, il rassemble les animaux de la ferme pour s'imiter au lieu de les laisser errer dans la ferme. Ah, ok. Ah, mais il me faut du cuivre, donc quoi que je fasse, il faut que j'aille à la mine d'abord, quoi. Ok, donc la mine, elle est où? Je veux quitter le mode, s'il vous plaît. Merci. Ah, il y a une, deux, trois quêtes. Ok. Mine d'eau salée. Allez, on va faire ça pour finir. Passons par là. Allez, allez, allez. Putain, c'est pas à côté, hein. Ça doit être en dessous. C'est parti. Bonjour Mélanie, bienvenue à toi. Et bonne fin de journée à toi, Athéna, et merci d'être passée. Alors, découvre l'interrupteur pour déverrouiller la porte ou place un saut de donjon sur le téléporteur. Ok. D'accord. Donc ça, c'est de la pierre. Me dites pas que j'ai le sac à dos qui est plein, sérieusement. C'est une bonne blague. Bon, je vais éviter de prendre les pierres du coup. Plutôt prendre les minerais. Hein. Ok, donc là j'ai récupéré du cuivre. Non, du charbon, pardon. Ah. C'est pas la même. Donc là, il faut trouver l'interrupteur. Soit sous des cailloux, soit il faut après, sinon, avoir un seau. Un seau de donjon. Donc là, bah, il faut du bol. Hein.
Ah, par contre, on va monter notre compétence de minage, hein, clairement. Et j'ai trouvé l'interrupteur. Ok. Ah, voilà du cuivre. Alors, par contre, pour faire la place pour le cuivre, je vais lâcher ça. Il en faut 15. Et maintenant, bah, va falloir trouver la sortie. Et on l'a trouvé. Notre cuivre ici. Oh, je me... Alors j'allais dire, je me demande si on peut pêcher. Si on voit pas de poisson, non, on peut pas pêcher du coup. Là, il y a des... D'accord, il y a des... même des trucs à ramasser. Donc là, il n'y a rien. Alors, j'aime bien les grottes. Hein. C'est vraiment sympa. C'est bien détaillé, c'est joli. Bon, par contre, ici, il n'y avait pas beaucoup de cuivre. Alors maintenant, il faut trouver l'interrupteur. Je récupère pas la pierre, mais c'est pas bien grave. On est à l'étage 3. Forage niveau 3. Alors, tout l'intérêt d'avoir des plats, hein, de près d'avance. Là, pour l'instant, ça veut pas nous sourire sur cet étage. Ah. Ok. Alors, si on pouvait réussir à finir sur cet étage-là. Oh, c'est bizarre, par contre. Ok, Almana, nouvelle entrée, Dabosol. Notre premier ennemi qu'on croise. Par contre, c'est bizarre parce que on a déjà des pierres qui sont par terre. C'est pas très logique. Ok, on peut faire des enchaînements, donc ça c'est plutôt cool. Et il me manque... Ah, j'ai tout le cuivre qu'il me faut. Donc on peut ressortir. Et pour ressortir, il nous avait dit il faut faire tout le chemin inverse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est par contre, c'est embêtant. Et coucou Laetitia. Ah, mais on ressort direct. Ok, ça c'est cool. Bon, bah il n'y a plus qu'à rentrer. Et puis bah malheureusement pour Laetitia, tu arrives à la fin. J'ai fini avec ce live, on va rentrer tranquillou. On va faire le craft et fabriquer le seau de cuivre. On va faire le poste de préparation et... Il y a une quête ici. On avait vu qu'il y avait plusieurs quêtes secondaires à récupérer. On fera ça la prochaine fois.
Alors, toi, est-ce que t'as... Ouais, t'es impeccable. Alors, du coup, on veut faire ce... Oh, je peux même faire ça. Forge minérale. Ok, donc on va mettre ça. Ça va pas être joli, ça. J'ai ce truc qui me gêne. J'ai pas réussi à faire comme je voulais, hein, mon organisation là de crafting. Alors pourquoi je peux pas te placer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est buggé. C'est ça. Pourquoi j'ai ajouté de la nourriture? Viser. J'ai un bug avec supprimer nourriture, ajouter nourriture. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je peux pas revenir en arrière, je suis obligé de quitter le... Placer. Alors là... Je sais pas du coup. On va ranger ça. Le coton. Ça je garde, ça je garde, tout ça je garde. Je réessaye. Je peux pas le placer. Alors ça c'est la meilleure. On va passer la journée. Je sais pas si c'est un bug. Le clic gauche marche plus du tout en fait. En mode construction, je parle bien sûr, hein. Il y a un nouveau message. 279, c'est pas trop mal. Heureusement qu'on peut sauvegarder quand on veut. Ça, c'est plutôt cool. Entraînement au bourdon. Cher Soma, les ronces ne te posent plus aucun problème. Un bon coup de bourdon, elles disparaissent illico presto. Mais sache qu'un bourdon magique ne sert pas qu'à se défaire des obstacles magiques. Il te permet aussi de terrasser les babazars. Les babazars sont des objets abandonnés animés par magie. Las et en colère, ils attaquent parfois les gens. Mais si tu les bats lors d'un combat magique, ils retournent à l'éther. Si tu te sens de taille à affronter ces épreuves, continue d'explorer les mines. Mais à ta place, j'irai d'abord rendre visite à Drac, le maître du combat. Il te montrera comment flanquer une raclée à ces babazars, Alaric le mage. Ok. Donc, je vais pas arroser. On fera ça la prochaine fois, vu que je peux sauvegarder quand je veux. Je vais pas m'occuper des animaux. Je veux juste... Je ne peux pas. Alors pourquoi? Placer l'objet. J'ai les ressources. 20 pierres, 10 minerais de cuivre, il n'y a pas de souci. Je peux le déplacer, mais je ne peux pas le placer, quoi. N'importe où, hein, j'essaye. Je ne peux pas. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai ça qui me bug en fait, j'ai l'impression là. Ajouter de la nourriture. Ok, là je l'ai plus. Quand je rentre en menu de construction, par contre, j'ai ça qui s'affiche, qui devrait pas s'afficher en fait. Enfin, je pense pas. Ouais, c'est rageant, Panda. Parce que j'ai très bien réussi à placer mon feu de camp, ma table de potions, mes parterres de fleurs, il n'y a pas eu de souci. Et là, là, ça veut pas. Et j'ai l'impression que ça veut pas depuis que j'ai le poulailler, en fait.
Même la forge, je peux pas la placer, la forge non plus. Pour en faire un. Ça, vous pouvez en faire trois. Même ça, je peux plus le placer alors que j'en ai déjà placé un, quoi. Alors, à moins qu'on ait une limite de construction, mais on m'en a pas parlé. Parce que j'ai quand même fait 24 parterres de culture. Ça fait 25, 26. 24, 25, 26. Mais j'ai rien placé d'autre. Mais je pense pas que ça vienne de ça. Hein. Sinon, on nous l'aurait dit, j'imagine, quand même. Vous savez, sur Palia, par exemple, il y a une limite de construction. Après, il faut acheter un permis. Mais il n'y a pas ce système sur Five Farm. Hein, donc, bah, du coup, je ne sais pas. Donc, on va se laisser là-dessus. J'espère que le bug sera résolu pour la prochaine fois. Sachant que le jeu n'est pas encore sorti. Hein, il sort que le 8. Donc, je suis sur une version pré-sortie qui peut être encore mise à jour avant la sortie. Hein, donc, j'irai voir sur... sur le Discord et sur... comment dire, sur... ah mince. Sur les discussions Steam, s'il y a quelqu'un qui en parle de ce problème. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, il est 18h passé d'ailleurs. Je vais vous laisser là-dessus, les loups. Je vous avais dit hein, jusqu'à 18h. Vous avez été très nombreux aujourd'hui, donc c'est vraiment cool. 48 pouces vers le haut. C'était cool. Si vous ne l'avez pas encore mis, pensez-y. Rentre dans le poulailler et ressort. Oui, je peux essayer, mais bon... Je pense pas que ça vienne de ça. Hein. D'ailleurs, je peux prendre ça, du coup, et ça. J'ai toujours ma nourriture qui est installée. Ça n'a pas l'air. Hein. Non. Ça ne marche au point. Eh ben, tant pis. Comme on dit. Donc, je vais faire ma petite sauvegarde, quand même. Ici. Voilà. Je vous remercie tous les loulous du coup pour votre présence et votre soutien, surtout un lundi en milieu d'après-midi où je vous ai annoncé le live que bah hier soir, assez tard d'ailleurs. Donc c'est vraiment cool de votre part. Merci à tous les viewers de l'ombre qui ne se sont pas manifestés mais qui ont soutenu le live par leur présence. Merci à tous ceux qui ont interagi dans le chat et puis bah à tous les habitués et les nouveaux venus. C'était cool, merci à vous. Merci Chris pour une partie de la modération sur le live. Malgré le taf et tout, à peine rentré, tu t'es mis dessus, donc c'est vraiment cool, merci à toi. Merci aux abonnés, hein, ceux qui ont les petits noms en vert, Liriel, Gérald aujourd'hui qui étaient présents. Voilà, hein, pour le soutien bah, mensuellement pour la chaîne. Je vous ai dit, hein, prochain live, c'est vendredi 15h-18h pour la découverte de Starfield. Et ce week-end, samedi après-midi et dimanche après-midi, il y aura un live Palia et un live soit sur Starfield, on continuera sur Starfield, soit on continuera sur Firefarm, ça dépendra de vous. Et sinon, Firefarm, le prochain live, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci encore à tous pour votre présence. Et puis bah, je vous dis à la prochaine les loulous. Allez, ciao tout le monde.